Allez, on va commencer. Après avoir... Après un démarrage à l'arrache, comme d'habitude en fait. Ouf, même ça c'est pas prêt. Coucou à tous. Je baissais un peu la musique, déjà. La musique elle est là. Parfait. On va faire que ça comme ça, on va baisser la musique, on va changer le fond de la caméra aussi. Hop, on va mettre plutôt du Bloodborne. Voilà. Quelque chose de plus en thème, plus dans le thème. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon lundi férié, un bon lundi de Pâques, que vous promenez du temps pour vous, pour vous reposer, que vous... Parfois, vous profitez, quoi. Nous, aujourd'hui, on va continuer Bloodborne, de manière chill, de manière tranquille. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va explorer, on va abandonner, du moins repousser, la mort des Brietas, parce que j'en ai marre de me battre contre elle. Concrètement, c'est assez chaud. C'est compliqué sur la fin. Et on va, en fait... explorer l'une des dernières zones du jeu, donc qui s'appelle Yharghul, le village de Yharghul, qui est un village en fait, une zone assez mystérieuse, tout le reste du jeu en fait, mais que je ne connais pas. Du coup, on va prendre le temps d'explorer ça, de voir un peu ce qu'il y a là-bas. Du coup, on va commencer rapidement. Je voudrais commencer aussi, enfin, avant qu'on commence le jeu, je voudrais remercier Sissi, Sissi0194, Sissi, bon, appelons-la Sissi, qui a follow la chaîne il y a quelques minutes. Merci et bienvenue à toi en tout cas. N'hésite pas, j'espère que tu repasseras. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Donc, pour nous, j'ai pas encore fait de planning pour la semaine. Globalement, alors, on a fini Saints Row 4 hier soir. Du coup, concrètement, le créneau va être pris par autre chose. Je sais pas encore quoi. Coucou Mesekis, comment tu vas? Comment vas-tu en ce lundi férié? J'espère que tu vas bien, que tu te reposes, que tu prends ton temps, enfin que tu profites. Bah écoute, ça va tranquille. Enfin moi je profite de mes derniers jours de vacances. Écoute, pour un peu, on va avancer Bloodborne, pardon. Coucou Crocro, comment tu vas? Yes, le Rocket a marché sur Gros, incroyable. Je suis en train de me voir parce que le bot qui devait aussi faire des alertes sur Discord a fait de la merde. Faut que je check les droits des gens, enfin bref. Il a l'air de faire n'importe quoi. Dans le doute, je ferai une passe là-dessus tout à l'heure. Mais j'espère que vous allez bien, en tout cas tous les deux. Ça va, deuxième option, Rocket. Je suis un botteur terrible. Donc aujourd'hui on va continuer Bloodborne, comme je le disais, je vais lancer la console. On va continuer Bloodborne de manière chill. On va explorer une des dernières zones du jeu qui s'appelle Yharghul. Je sais même pas si je prononce le truc de manière correcte. Mais j'espère que ça ira, en tout cas ce sera un live de prise de tête comme d'habitude. Histoire d'avancer le jeu, j'ai bien envie de l'avancer donc... ça me fait plaisir d'être là avec vous. Activons l'Elgato. Hop, l'Elgato elle est là. HDMI 2 c'est parti. Tu pars en loot, c'est parti quoi. C'est nouveau cette manie de lancer un live en même temps que Choco. Comment je fais pour loot et modérer? Ah, je suis désolé, je sais pas du tout. Je t'avoue que je ne fais absolument pas gaffe à ça. Je suis désolé, Crocro. Mais profite bien de... Enfin, profite-en aussi pour... Enfin, n'hésite pas à modérer son chat aussi quoi. Y a pas de problème. Je voudrais couper la musique. Merde. Donnez-moi la musique. Hop. Voilà. Hop. J'ai changé le thème aussi de ma PlayStation, j'ai mis du Persona parce que c'est cool. Je vais faire des bêtises des deux côtés. Terrible. Du coup voilà, donc je disais mon planning n'est pas encore fait parce que j'ai eu pas. Parce qu'hier soir, enfin j'étais pas sûr qu'on venait sur Saints Row, on a fini. Du coup le planning le dimanche sera remplacé par autre chose, je sais pas encore quoi. Mercredi, il y aura pas de Mario Kart, comme annoncé, enfin c'est dans le planning la semaine dernière. Et vendredi, ça risque d'être compromis aussi, donc je vais agencer ça différemment et je le publierai, je pense, dans la soirée. Krumel, tu peux m'expliquer quelque chose? Vas-y Mel, explique-moi. Pourquoi je fais les lives en même temps que Choco, c'est ça? C'est ça ta question, je suis sûr. J'espère que tu vas bien en tout cas. J'espère que c'est ok pour toi, que tu t'es bien posé, j'espère que tu t'es remis des émotions d'hier soir. Que notre quête t'a pas mis en PLS. Du moins t'as laissé. Faut que je regarde parce que je pense que mon Discord, enfin mon bot a planté. Hop. 17h c'est le matin, mat midi pour toi. Non, 17h c'est... 17h c'est le temps où j'ai pas pu faire avant en fait. C'est tout.
Je suis désolé, Mel, c'est vrai. Mais t'as pas lancé du coup aujourd'hui, d'ailleurs, parce que j'étais devant mon PC à 14h et j'ai rien vu de ton côté non plus. Mais concrètement, non, en effet, j'avais dit que j'avais streamé entre midi et 2 et au final il est 17h. Je lance en retard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On dirait que c'est le quoi? Tima. Le matin, le soir. Peut-être, hein. Mais non, en gros, j'ai eu des trucs à faire avant et j'ai pas eu le temps de lancer. Du coup, c'est tout, c'est simplement ça. Je suis désolé. Et très stylé ton emote en fait. Très très stylé. La glisse lol, j'aime beaucoup. Non, t'inquiète, je te taquine. Non, je vais lancer, je suis fatigué, angoisse aujourd'hui. Pas de soucis. Pas de soucis. Du coup, ça veut dire que j'ai rien loupé, c'est une bonne chose. J'ai pas loupé la fin de C3. Moi, ça me va. Écoutez, on va lancer le jeu. On va reprendre l'exploration. On va faire un clear. On est à 231 morts. On part sur l'exploration avec peut-être un boss à la fin. Je vous espérais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du coup, demain 14h, bah, j'essaierai d'être là. Je pense que je serai là du coup, parce que demain je suis en vacances. Ah tiens. Coucou Skuyil. Coucou, j'espère. Bienvenue à tous. Merci pour le raid Skuyil. Merci pour le raid. Tu étais sur Star Wars, enfin sur Star Wars de la République. J'espère que tu vas bien, j'espère que ton stream s'est bien passé. Coucou Tiflorg, bienvenue. Comment tu vas? Comment vous allez tous les deux? Nous on s'apprête à lancer Bloodborne. Allez, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Skuyil qui est plus haut. Coucou Whisper. J'espère que tu vas re-Whisper. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir Skugil qui fait du Star Wars. Qui fait du Star Wars The Old Republic. Si le jeu vous plaît, vous parle, Skugil qui connaît le lore parfaitement du jeu, n'hésitez pas à aller le voir en tout cas, c'est vraiment très plaisant de regarder avec lui. Nous on s'apprête à faire de nouvelles choses. On va abandonner le boss, enfin, on va repousser, décaler l'invasion du boss, enfin l'invasion, la mort annoncée du boss quoi, qui nous fait galérer en ce moment. On va aller partir ailleurs, faire de l'exploration ailleurs, donc ça va se passer. On va faire des choses bien, normalement. J'ai un peu farmé des potions en off aussi. Histoire 2. Histoire 2. Juste regarder, je connais ce que je connais, je ne connais pas. Non, tu connais pas tout, mais tu en connais plus que la majorité, je pense, Skuil. De manière honnête, hein, je suis pas là pour me brosser dans le sens du poil ni rien. Mais concrètement, je pense que tu connais énormément de choses sur le jeu en lui-même. Du coup, en vrai, ça me choque pas de dire ce que je dis. C'est tout. Voilà. Sache-le. Alors, on va repartir. Je vais voir si je peux pas réparer mon arme d'ailleurs, parce qu'elle a dû prendre un peu cher la dernière fois. Réparer l'arme. Il en sait plus que nous déjà, mais effectivement, il y a de temps en temps des gens qui pop et qui savent son. Ah, il y a des gens qui en savent plus que celui. Ok. Ok, je note. Mais je pense que vous en savez beaucoup sur le jeu, et c'est pour ça que je dis qu'il faut. Si des gens veulent en savoir plus, il faut pas hésiter à aller vous voir. 10 millions et 1 milliard, quoi? Qu'est-ce que quoi? Pardon, j'ai pas compris. On va aller à la chapelle de Yargul, on va aller au Yargul, le village invisible. Parce qu'il me semble avoir débloqué un raccourci qui me permet d'aller plus bas que ce que l'endroit où je galère. Donc on va aller à l'ascenseur. Des trucs de points. Ah! C'est des. Oui, les points actuellement, ce sont des récompenses qui ne sont pas accessibles pour vous, c'est pour que j'ai créé, que je veux, que je suis en train de tester, et qui ne sont pas accessibles pour vous. Je baisserai les prix. C'est des récompenses pour le stream sur Alien Isolation et sur autre chose. Donc j'ai mis des points, j'ai mis des sommes assez astronomiques, histoire que personne ne puisse les trigger, ne puisse gâcher de points avec ça. Mais l'idée c'est que moi je les teste et qu'une fois que ça marche, une fois qu'on lance le stream qui est lié à ça, je baisse les points énormément. Comme ça tout le monde pourra les utiliser. Il n'y a pas trop de. C'est juste, elles sont là pour que personne ne puisse les trigger. Simplement. Tu sais que tu peux les activer pour que les. Non, mais oui, mais moi je veux les activer en fait. C'est ça, Mel. C'est que moi je dois les activer. Non! Oula! Putain, saleté. J'ai failli tomber comme une merde. Oh là, il y a PP mitraillette, enfin PP. Sorry man. Soyez heureux et fous. Normalement, j'ai débloqué cet ascenseur. Est-ce que je peux l'appeler? Dis-moi que je peux l'appeler, dis-moi que je peux l'appeler. Dis-moi qu'il y a un truc pour l'appeler. Yes. Il était l'autre. Putain, je l'ai pas vu, je suis aveugle. Non, lui, je peux l'appeler.
Et du coup, ouais, c'est pour des tests et ça arrivera. Donc, il y a une récompense pour aller en isolation. Ça sera pour activer les sons. Donc, je suis en train de mettre ça en place de mon côté. Et il y aura. Et il y a un autre truc, c'est juste pour faire des tests, concrètement. La cam m'aide pas. Ma cam, ma tête, là, tu parles de ma tête, c'est ça? Il est compliqué ce garçon. D'abord, c'est un truc 4 et maintenant, un milliard de points de chaîne. Tu sais que tu peux venir nous parler, c'est un souci, là. Oh là là, tout de suite. Attendez, y a une cloche là, y a une clochette. Ah, la cam du jeu. Non, ouais, la cam du. Bon, la cam du jeu, c'est un peu l'enfer. Ça, c'est connu. Là, y a une meuf avec une cloche. On va aller la tuer déjà. Elle doit être à droite là. Pas du tout. Pas du tout. Elle est où? En fait, elle, avec sa cloche, elle invoque des ennemis. Et elle doit être dans le coin parce que je l'ai entendu sonner. Ah ben voilà, elle est juste là en fait. On va l'éliminer avant qu'elle fasse sonner sa cloche. Elle ne ramène personne. On est tranquille. Et ensuite. Voilà, on est posé. Il est de notoriété publique que la caméra des Souls sont les bastionnages de fil rouge. C'est clairement ça, Mel. C'est clairement ça. Totalement d'accord. Qui a un souci? Moi j'ai un souci. Prono 236? Ok. C'est vrai que j'ai pas fait de pronostic parce que 2 plus 2 fois 3 égale 6. J'ai dit 2 plus 3 égale 6, mais non, c'est pas du tout. Alors là, on a ces amas de chair un peu partout dans de ce côté-là, dans des coffres, à défoncer. J'espère que ça se passera bien. On va aller voir ça. Tranquillement. Ça, je ne sais plus ce que c'est, cette zone, cette chose-là. Oh, ça fait mal par contre. Je sais pas ce que c'est. Dans le doute, c'est éteint. Je sais pas ce que j'ai fait. Dans le doute, j'ai activé un truc ou désactivé un truc, je sais pas trop quoi. Non, mais le plus drôle, c'est qu'il y a une interview du meilleur speedrunner de Dark Souls et qu'ils lui ont posé la question quel est le pire boss pour une run. Et le speedrunner a répondu à la caméra. Putain. Mais c'est ça, c'est tellement ça, la caméra elle est handicapante parfois quoi. Et encore là je... Ouf. Oh, je sens que j'ai progressé par contre. Je sens que mon perso a s'amélioré parce que j'arrive à faire des dégâts un peu plus forts sur ces monstres là. C'est plutôt agréable. En tant que speedrunner en Pokémon, je confirme la caméra c'est chiant. Sur ce Pokémon, le hack. Terrible, terrible il est. Alors là il y a un truc dans la... Je vois si je peux pas l'avoir par dessus. Il y a une chose dans la j'ai dire la camionnette, mais non, mais la caravane ou le carrosse là. Je vois si je peux pas l'avoir autrement. Petit shot là. C'est un échec évidemment. Parce que ouais, elle est dedans. La première fois elle m'a sauté dessus comme une salle. Et je voudrais voir si c'est pas moyen de la faire autrement. Parce que sinon je vais sursauter comme un gros con. Je vais pas aimer. Enfin, je vais passer pour un être abject et débile. J'ai pas envie. Allez. Voilà. Est-ce qu'il y a pas moyen de la contourner? Bon, sauter par ce côté là. Putain, je suis dans la merde. Ok, je suis dans la merde, c'est officiel. Ouh, je suis dans la merde. Je l'avais call, je suis dans la merde. Je l'avais dit. Terrible. Des barres céréales qui attaquent. Non, c'est pas ça. Pas vrai. Mais c'était pas agréable. Bon, on y retourne. On y retourne, voilà, on se met bien. Non, allez-vous-en, vous, je vous aime pas. À mort, oui. Non, mais allez-vous-en. Je suis pas là pour parler avec vous.
Je vais juste aller prendre l'ascenseur, s'il vous plaît. Toi, tu meurs, par contre, j'ai testé. Normalement, je suis invincible quand je fais ça. Salaud! 244. Des gens qui sont moins... J'apprécie les gens qui sont moins optimistes. Parce que 2 x 4 égale 4, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que c'est trop 4-4. Au moins, tu fasses un jeu qui ne crache pas, là, tu vois. Mais ça, c'est ça qui est plaisant. Bloodborne, lui, ne crache pas. Enfin... Pas comme ça, quoi. Tiens, meurs, toi. Ok, première étape effectuée. On élimine la vermine. Qui me crache à la gueule. Certes, vu comme ça, surtout les boss. En vrai, les boss, ça va. Les boss, à part certains, ça va. Globalement, on se démerde plutôt bien. Hop, toi, t'es mort, c'est bon. Littéralement. Mais le rêve, c'est plus Saints Row Error 404. Ah, mais tu sais exactement ça, Skew. C'est exactement ça. C'est insupportable. Tiens, en tant que newbie, des Total des Souls, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer à Bloodborne ou c'est trop compliqué? Ben, ça dépend ce que t'attends du jeu, en fait. ça dépend totalement ce que t'en attends. Moi j'attendais du challenge. Autant de la difficulté que tu parles du level design. Et j'attendais du challenge. J'en avais eu, si tu veux... J'étais un newbie Total des Souls aussi, hein. J'ai pas fait les autres. Enfin, j'ai fait que Sekiro avant, qui n'est pas du tout dans le même genre. Et le jeu est vraiment sympathique. Après, il faut accepter d'apprendre, en fait. Tu vas forcément te retrouver à un moment face à un mur, à moins que tu sois un dieu dans du jeu vidéo. Mais tu vas forcément te retrouver face à un mur un jour. Et il faudra accepter de soit former, soit d'apprendre, soit d'aller voir ailleurs, en fait. C'est un jeu, les Souls. Les Soulsborne, donc Bloodborne et les Dark Souls et Demon Souls, globalement ce sont des jeux qui enseignent la patience et la réflexion, dans le sens où quand t'es face à un mur que tu peux pas, qui est bon pour toi, faut que t'ailles voir ailleurs, il faut que tu changes de chemin, que tu trouves un trick pour pouvoir avancer différemment dans le jeu. Et si tu cherches une expérience un peu différente, ça peut être sympa. Surtout qu'il me semble que t'as la PS5, donc tu dois avoir peut-être dans la collection Bloodborne dans la collection, à mon avis. A priori, alors je suis pas un expert du tout du genre, mais beaucoup de gens s'accordent pour dire que c'est l'apogée, Bloodborne est l'apogée du genre des Souls, enfin, parce qu'il mêle à la fois plusieurs mécaniques que les gens apprécient a priori. Du coup, en fait, si t'as l'occasion de tester, fais-le, enfin teste-le et tu sauras, parce que je peux pas, c'est trop particulier pour que je puisse dire à quelqu'un pour le conseiller vraiment. Moi, je savais que c'est quelque chose qui me pourrait me plaire, donc j'ai pas trop hésité. Toi, je sais que tu tryhardes un peu, Tiflorg, au moins les trophées. Enfin, je sais que t'as un côté tryhard, un côté complétionniste qui peut peut-être marcher aussi, tu vois. Donc, il pourrait vite. Après, j'ai. Enfin, forcément, c'est cette histoire de mur d'apprentissage, etc., qui peut rebuter, et qui rebute même beaucoup de gens, en fait. Et il faut savoir, faut être honnête, en fait. C'est ça qui fait fuir les gens, donc est-ce que ça te fait fuir ou pas? C'est différent. Et je tryhard, mais sur des jeux simples. Mais ça reste du tryhard, Tiflorg, ça reste du tryhard. Disons que si tu veux t'initier au Souls-like de manière newbie, ben commence par un Souls. Non, je suis pas le plus. Pas d'ac, c'est pas l'apogée. Ah ouais, tu préfères lequel, toi, Mel? Moi, j'ai eu beaucoup. Enfin, moi, on me dit que c'est le meilleur de tous, Bloodborne, pardon. C'est quelqu'un d'autre. On m'a toujours dit que c'était le meilleur de tous, alors je peux pas comparer. Je prends cette information telle qu'elle. Enfin, je constate, en fait, plus qu'autre chose. Mais tu penses que c'est Dark Souls 1, toi? Ok. Mais c'est pas du tout... Bah tu vois, j'ai l'impression que Bloodborne et Dark Souls 1, ce sont deux jeux qui sont... dans leur mécanique et dans leur dynamisme... dans leur mécanique et dans leur dynamisme, à l'opposé, en fait. Dans le sens où même si le jeu, ils font partie du même genre, Bloodborne a l'air, dans mes souvenirs... des souvenirs de Dark Souls 1 que j'ai, Bloodborne a l'air beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... les combats sont beaucoup plus intenses, est beaucoup plus nerveux, et c'est peut-être ça qui c'est peut-être pour ça, parce que les gens à qui j'en ai parlé, enfin qui m'en ont parlé, l'ont pris comme ça, quoi. Mais concrètement faut pas hésiter. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai pris, l'information. Je sais pas, je dis pas que c'est la vérité absolue, c'est comme ça qu'en tout cas que j'ai pris l'information. Alors ouais, c'est la meilleure version d'évolution, c'est la meilleure version d'évolution technique, mais Dark Souls 1 a pas mal de trucs à lui que Bloodborne ne reprend pas. Ok, je peux comprendre.
Et du coup, Tiflorg, dans ces cas-là, si t'as l'occasion avec le PS Plus, lance-le. Alors, la première zone est compliquée. J'étais pas un joueur de Bloodborne non plus, pas un joueur de Souls quand j'ai commencé. La première zone, honnêtement, est compliquée. J'ai passé plus d'un stream sur cette zone-là. J'ai passé peut-être 4-5 heures sur cette zone-là parce que j'étais une vraie merde. Contre l'âge. Lâche au début, dans une zone où il y a pas mal d'ennemis en fait, et là où t'apprends le jeu, en fait, alors là il y a un truc qui me saute dessus normalement. Là où t'apprends le jeu, enfin, ça te forge en caractère en fait. Et là tu sauras si t'es capable d'affronter le jeu ou pas. Et si t'arrives à passer cette zone-là, je pense que t'es capable de rouler sur le jeu. En effet, tout ce que tu dis est vrai, DS1 est plus lourd et plus long. En fait, tu as deux catégories de Souls, Demon's Souls, DS1 et 2, et DS3. DS3 se range à plus avec Bloodborne du coup? Ok, c'est intéressant à savoir. C'est quelque chose que je maîtrise pas non plus. Hein. Faut voir ça, mais ok, c'est sympa de l'affirmer. Là, il y a un truc qui me saute dessus normalement. Voilà. Saleté. Ouais, DS3 est aussi plus, voire plus dynamique que Bloodborne. Ok, c'est intéressant. Ouais, donc mon premier objectif ce sera de réussir la première zone. Après, je serai sauvé. Ben, j'irai pas sevrer. Moi, je te conseille d'aller jusqu'au premier boss. Le boss que je considérais comme le boss tuto. C'est-à-dire que quand tu arriveras au boss qui s'appelle la bête cléricale ou le monstre clérical, qui est littéralement, je crois, le premier boss du jeu. Je crois qu'il est. Je sais même pas s'il est optionnel, mais dans le doute. Tu arrives jusqu'à ce boss-là. Et là, tu auras fait, je pense, une zone et un boss. Et tu sauras concrètement à quoi t'attendre. Ça sera, les mécaniques des zones sont différentes, les mécaniques des boss sont différentes, mais concrètement, d'un point de vue architecture globale et grandes lignes, tu sauras à quoi t'attendre, quoi. Comment tu vas explorer une zone, ce qu'il faudra, comment tu peux fouiller, à quel point il y aura potentiellement des secrets ou non à trouver, et comment se passe un combat de boss. Tu comprendras. Par contre, niveau nécessairement, le meilleur c'est DS3 et DS1. Je parle en même temps. En termes de tuto. Ouais, en termes de tuto, par contre, il y a moyen. En termes de tuto, Bloodborne il est assez vénère dans le sens où tu lâches et tu démerdes-toi. Je te dis rien. Et alors que DS1, le tuto que j'en avais fait, il me semble que. Enfin, ça. C'est pas un tuto. C'est plutôt des choses qui sont suggérées en fait. Il me semble, hein. Si je dis pas de conneries, genre à un moment, tu tires une arme et tu tapes un ennemi, enfin, t'as un ennemi qui arrive. Donc. Et les réflexes, ben tu vas taper l'ennemi en fait. C'est comme ça que je le vois. Attendez, oh putain, les deux sont trigger quoi. Allez vous faire foutre. Non, si tu lis tout le message par terre, il t'explique. Ah, les messages par terre aussi, il t'explique? Ok. Ben, ça, c'est un truc que je ne savais pas. Oh bah si, ah il y a les touches quand même expliquées. Enfin, peut-être qu'il y avait les mêmes en Bloodborne du coup. J'avoue que j'en ai aucune idée. Saloperie. Faut que j'arrête de jurer. Mais si t'as le PS Plus, ouais, Tifler, si t'as le PS Plus, que t'as l'occasion. Découvre. Enfin, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Si tu l'as, c'est gratuit, c'est simple. Fais-le et tu verras ce qui se passe. Tu verras ce que t'en penses. Tu verras si ça donne envie de tryhard. Si t'arrives même à. En fait, si t'es pas habitué à ce genre de choses, tu verras. Tu vas. D'un point de vue émotion, entre guillemets, du jeu, tu vas rencontrer de la méfiance, de la peur, de la frustration. Et quand tu auras réussi à faire ce que tu veux, tu vas avoir une sensation de soulagement assez incroyable. Et c'est ça qui. Je trouve que c'est cette sensation. Enfin, ce soulagement et satisfaction. Et je trouve que c'est cette sensation-là qui te donne l'addiction, en fait, du jeu. C'est-à-dire que tu seras tellement content et enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça qui va te tirer vers l'avant, vers la zone suivante, en mode je peux le faire. J'étais content d'y être arrivé et vraiment c'est juste ça quoi.
Spécialiste en psychologie Bloodborne apparemment. Peut-être, un petit peu, enfin peut-être pas Bloodborne lui-même, mais en termes de sensation, en tout cas, tu sens des choses et c'est assez particulier à décrire et je saurais pas comment le dire, mais c'est unique. Enfin, bon, j'avais pas connu ça en tout cas autrement. Mais comme DS1 est un couloir prison au début, il te force à passer chaque étape, pas d'armes, une arme, un bouclier, courir, bloquer, fiole. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si on t'avait une grosse envie de chier ce qui te fraise pendant des jours et que tu gagnes, c'est la libération. Bah, ouais, mais en plus satisfaisant. En beaucoup plus satisfaisant, Mel, dans ces cas-là. Si on part sur cette. Ouh, ça a failli mal se passer là. Je saurais pas comment expliquer, mais c'est assez. Rien là, non. C'est assez particulier comme sensation en général. Et je pense. Alors, moi je l'ai découvert sur Sekiro, cette sensation là. C'est ça qui m'a donné envie de. Même pas, je l'ai découvert sur Jedi Fallen Order en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer à explorer ce genre de jeu. Alors, Jedi Fallen Order qui est pas vraiment un Souls-like, mais un petit peu quand même. Enfin, ça dépend des définitions que les gens accordent et comment les gens catégorisent, mais il y avait des mécaniques qui s'y retrouvaient. Et c'est cette sensation d'être face à un mur et d'arriver à escalader le mur. C'est assez ouf. C'est vraiment ouf. C'est ça, la sensation d'être surpassé. C'est exactement ça. Je sais pas ce que c'est, ça me tue, putain. C'est pas grave. On va continuer vers le bas. Ici, on a tué la zone, on a tué les mobs, il y a peut-être rien d'autre. Mais c'est ouais, c'est ça, c'est à la fois de la fierté, il n'y a pas une autre porte ici. De la fierté, de la satisfaction, de la. Enfin, énormément de choses en fait, au final. Et c'est ça qui est cool. Non, il n'y a rien. Bon, on va continuer, il y a une porte vers le bas qui s'est ouverte. Il n'y a pas que les Souls qui donnent cet effet, tous les joueurs de corps peuvent te le. C'est un sur 4 compte pas. Mais je comprends, non, je comprends ce que tu veux dire, Mel, en effet. Mais je sais pas, j'ai joué à d'autres jeux hardcore, enfin, considéré comme hardcore, parfois. Je considère moi-même comme hardcore en fait. Mais c'est toujours particulier comme truc et pff, les Souls c'est vraiment différent quoi, à chaque fois. Et ça dépend des goûts des couleurs. Là t'as un aspect RPG qui est plutôt cool. Saleté. T'as un aspect RPG qui est plutôt sympathique, dans le sens où bah, tu montes tes stats pour orienter ton perso comme tu le sens, t'as un peu de farm. Coumorson, comment tu vas? Merci pour le beat. Merci beaucoup pour le beat. Bah tiens, Morson, il y a Tiflorg qui demandait en tant que newbie des Souls, est-ce que un Souls, bon, alors il me demandait pour Bloodborne, mais est-ce qu'un Souls en général, est-ce que pour toi ça vaut le coup de tester? Est-ce que tout ce qui va être, enfin, je suis parti sur le fait que les sensations du jeu sont vraiment cool. Une fois que, enfin, quand t'arrives à débloquer ce genre de choses, quand t'arrives à avancer comme tu le veux, que t'arrives à atteindre un objectif, est-ce que pour toi, qu'est-ce que t'évoque un Souls en fait? Bah ça va, écoute, ça va, on avance sur Bloodborne tranquillement, on va découvrir de nouvelles zones, ça va être un peu chelou par ici. De la frustration. Que de la frustration? T'as pas de plaisir? Oh putain, il y a une clochette. Elle est où? Ici ce cloche, elle est là-haut. Il faut que j'arrive à monter. Oh là là. Attendez, attendez. Je voulais juste après, j'ai juste tué une personne à clochette. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Toi tu meurs. Attendez, je suis pas du tout dans le bon côté. C'est pas elle. Attendez, mais elle était là? Je l'ai entendue au-dessus de moi en fait, c'est ça qui me perturbe un peu. Quand je me fais pas buter. Non, de la frustration. Si, un peu parfois quand je me fais pas buter. Ah, ça c'est la progression. Ça. En fait, c'est comme si t'as gagné une partie de League of Legends après t'être poncé le fion fin fois. Je connais pas, enfin j'ai jamais joué à LoL. Enfin j'ai joué une fois à LoL, ça m'a pas plu et j'ai arrêté. Mais donc je suis incapable de vous dire
Mais enfin, de incapable de. Enfin, ça me parle pas quand vous parlez de LoL en fait. Mais concrètement, bah, si ça vous parle, c'est ça. C'est. Oh putain, toi tu meurs. So you choose death. Il y avait une dame là avec des clochettes, là, avec un carillon assez. Putain. Oh! Oh! Putain, je suis mort comme un sac. Ok. Il y avait une dame avec un carillon. Ok, faut que je trouve l'endroit. C'était une mort supplémentaire, 240. Ah! Nouvelle zone, c'est une nouvelle zone, on apprend, on découvre ce qui se passe. Skugil qui est actuellement meilleur pronostic à 234 pour du 233 actuellement. Bon, je repasse en mode fufu, mon angoisse revient et j'ai encore des trucs à faire. Des bisous Mel, courage à toi. J'espère que ça passera. Mais des bisous, voilà. Repose-toi, profite de ton temps. Et bon pupitage. Bon, du coup, à gauche, c'est bizarre. Cette histoire de squelette un peu enflammé. Je sais pas ce que ça m'évoque. Et il faut savoir. Ah, ça, c'est un truc, je pense, qui est assez hallucinant. C'est le level design, qui est vraiment top. Oh, calme. Le level design des souls, assez incroyable. Dans le sens où. Enfin, tu explores une zone. T'en chies pour arriver d'un point A à un point B. Et en fait. En cherchant un peu, tu trouves des raccourcis, tu trouves des. Ah ouais, des raccourcis simplement, des petits passages secrets, bien planqués, bien étudiés, qui te ramènent dans des zones ou qui te font. Je sais pas comment. Tu sens le travail en fait, tu sens le travail dans l'environnement. Je pense que c'est un truc que je dis à chaque fois à peu près, c'est le travail sur l'environnement. Non, pas du tout, pas tous les souls. Oh, ok. Pas le 2. Au hasard, pas le 2. Je suis sûr que le 2 est pas comme ça. 10 000 rêves en fufu. Mais j'avoue que moi je suis loin d'être un spécialiste en fait. Et, tiens, elle est où? Elle est derrière moi, donc elle est forcément au-dessus de cette chose là, cette arche. Y'a pas un escalier ici, y'a pas moyen de monter. Zéro, enfin, zéro. Ok, on va courir. Écoutez, on va rusher. On va tenter de rush la zone, enfin rush, jusqu'à l'invocatrice. Parce que tant qu'il y a une invocatrice, il y a des mobs qui vont apparaître. Oh là là, oh là là, oh là là. Attends, attends, attends. Je sais pas où je me jette. Non doute, je me jette dans la gueule du loup. Parce que... Saleté! Connard. Pardon, je suis quelqu'un qui rage, qui suis mal poli quand je me fais déboîte, surprendre par un mob. C'est bon. On peut se poser. On arrive à un endroit, ok, mob ici. On va réfléchir avant de se jeter là-dedans. Parce que, il y a un truc à récupérer ici. Il y avait un loot là récupéré, fait le sens parfait, ça me va. Madame Glingling là, elle est insupportable. Le seul qui est comme Bloodborne, c'est le 1. Ah ouais? Ok, intéressant. Les autres Dark Souls sont comme Demon Souls, plusieurs zones séparées avec des TP. D'accord. Et pouf, un petit chien, parce qu'il est mignon. Totalement. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça c'est un truc de. Je sais pas si je tourne dedans ou pas, dans le loot ça pue. Ça a l'air d'être un truc d'invocation. On va attendre, on va. Avant de faire de la merde, comme ça gratuitement. Tiens, c'est elle. Elle, la énonce, c'est elle qui me. Coucou, coucou Elwing. Ah, quand elle meurt, ses invocations meurent.
Oh, c'est intéressant ça par contre. Comment tu vas, Alwing? Est-ce que tu profites de ton jour férié? Oui, ben Rocket, une fois qu'il a appris comment dire bonjour, il réutilise aussi les expressions concrètes. Ok, Ok, donc là elle est morte, mais j'étais persuadé qu'il y en avait une au-dessus là. Je suis perturbé. Wow! Ah ouais, je profite bien, ça fait un bien fou. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ma vie est réussie. Par contre, le 1 a un truc assez fou, c'est que tous les trucs que tu vois ou lis, tu crois que c'est du décor, et ben ce sont des zones où tu vas passer ou y jouer. Mais c'est un peu pareil, enfin j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans Bloodborne, au final. Je sais pas, hein, mais. Putain, l'ambiance pendant. Enfin, je suis tellement pas. Je me sens tellement pas en sécurité actuellement. Je veux plus de jeu, je veux plus de jeu. Courage, bientôt les vacances, même les vacances, hein. Écoute, je souhaite en avoir en tout cas. Oh! T'es pas un monstre agréable, toi. Hein. Pas un monstre gentil. Ok. Yep, c'est pour ça que j'ai dit juste Bloodborne et DS1 et encore DS1 triche un peu à cause de l'émission technique sûrement. Ok. J'aime sanglant humide amusante. Trop bien. Je sais pas trop ce que ça fait. En gros, ça a l'air cool. C'est quoi ça? C'est. Vous entendez les voix là? J'ai l'impression qu'eux parlent en fait. C'est terrible. Hein. J'ai l'impression que les gens dans les murs parlent. Un cri. C'est mieux quand la caméra est dans ton camp. Ah, clairement. Oh là là. Oh là là, attendez, 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 on va fuir. Est-ce que la zone est ok? Est-ce que comme j'ai clean l'invocatrice? Est-ce que le chasseur déjà est revenu? Non. Ça veut... Bref, repasse en mode fufu. Pas de soucis, man. Passe bon fufutage. Pronostic 150, ok. Ah mais c'est cette chose. Non! Oh le 1 PV! Oh le 1 PV qui sauve! La barre Nesquik, ouais, elle fait mal. Je sais pas pourquoi elle t'évoque une barre Nesquik, hein, mais je confirme qu'elle fait mal. Ok, on va passer en face. On va passer en face parce qu'on veut tuer celle qui nous lance des projectiles à la gueule en premier. Et là, on s'est nommé nous déjà. Ah, l'invocatrice, c'est ça. Et donc un autre escalier. Ah, ça. Ok, on va y aller tranquillement. On va essayer de clean la zone avant de faire n'importe quoi. Comme je le dis. Il y a plein de petites boules sur le dos, comme des parties. Mon dieu! Alors là, il y a des monstres qui sont morts. Là, il y a cette merde à droite, là. Cool. Pareil, elle me lance dessus. C'est bien. En parlant de Nesquik, se sert son meilleur bol pour chill devant le. Aïe aïe aïe. Bonne app. Bonne app. Ok, donc là ça fait un de moins. Putain, ils sont. Ils sont un peu vénères. Hein. Il y en a deux. Il y a lui qui tire là. Et lui qui rampe. Il fait du roaming, ok. Ça, j'ose pas aller dedans. Je. Dans le doute. Vous savez le doute, hein. Est-ce qu'il y a des choses là? Descendre à l'échelle, c'est parti. Il y a des incantations là dans le dos. Des voix.
Ok. C'est un passage rapide. Dernier, mais la dernière on s'en fout. Plus ou moins. Là-bas, ça pue l'arène de boss, on va pas se mentir. Hein. Donc, ça pue un peu l'arène de boss là-bas. Hein. Putain, c'est quoi ces voix? On va foncer comme ça, tête baissée, on va voir s'il n'y a pas moyen de la surplomber avant. Yes, un objet. Avec la spatialisation du jeu, c'est bien flippant comme ambiance. Vous l'entendez aussi, la spatialisation? Je sais pas du tout si ça rend bien chez vous ou pas. Mais ouais, le truc est bien. Enfin, ouais, c'est clairement un boss. Y a une invocation en face, là, vers le chariot. Donc ça veut dire qu'on arrive sur un boss. Je sais pas où il ressemble. Je sais pas qui c'est. Souhaitez ma bonne chance. On va essayer de loot un peu les trucs avant. Bon là la stéréo. Ah ouais, ouais la stéréo, bon, c'est déjà ça. Mais oui, indeed, c'est logique en fait, vous avez deux pistes audio pour droite et gauche. Alors, on a 36 000 points et coûts de sang. Le boss est là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que avant de faire de la merde, on va aller level up en fait. De manière bête. Hein. Ça m'emmerde qu'il n'y ait pas de. Ok, bon, lui il est mort. Ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Lac ésotérique, parfait, c'est une nouvelle rune. Ça ne s'ouvre pas. Fouillons un peu, fouillons. Je fouille un peu avant de me jeter dans la gueule du. Non mais les gens, est-ce que ce sont des vrais gens en fait? C'est assez chamant. On va retourner voir le socle, et si je perds des points à cause de ça, ben ça serait bien fait pour ma gueule. Mais le socle en question là, qui avait l'air de briller, je vais aller voir un truc, voir si ça fait quelque chose, je suis curieux. Si ça ne se mange pas, ce n'est pas important. Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux monter dedans? Oh là là! Observez la basque. Je peux faire un truc. Je peux observer. What the fuck? Oh, on a un point de TP jusqu'au boss? Non. Attends, faut que je situe où il est. Saleté. Attends, je connais cette zone. Merde. Où est le point de. Où est le... Ascenseur, attendez, il y a un ascenseur non? Pas du tout. Ok, donc en fait la basque, c'est un point de téléportation. Déjà c'est cool, à savoir. La question c'est où est le... où est la sortie? Je suis sûr d'être déjà venu ici, mais attends, c'est où? Alors je suis pas venu ici, y a d'ennemis.
je suis pas venu ici s'il y a du loot. Petite pierre de sang. Ok, donc la vraie question c'est où est-ce qu'on est? C'est quoi le spectre? Le spectre qu'on voit, c'est un autre joueur. Un autre joueur qui est là en direct. Pas qui est là en direct, qui est là quelques minutes, quelques secondes près, quoi. Sur la même instance de serveur, a priori que moi, et qui est en train de se battre au même endroit. Parce que je joue online en fait, donc tu peux voir les autres joueurs qui. Attendez. Hop hop hop. On est arrivé là, on arrive dans cette putain de basque, hein, évidemment. Ok, donc en fait non, on est sur la rue. Ah! Non, d'accord, on est sur la rue, on est au-dessus. Attendez, y a un truc à faire. Enfin, je sais pas en fait, mais c'est assez chelou. Je peux donc descendre là, en sautant par ici. Ah, avec l'ascenseur, je peux directement. Oh, ils sont smart. Ils sont smart. En fait, dans l'ascenseur que je prends au début, je peux directement, a priori, aller au boss. Oh, le level. Enfin, ce que je disais, le level design, en fait, je viens de découvrir un nouveau passage secret, en fait. Concrètement. C'est ouf. Ouais, il y a un bruit chelou de l'ascenseur, je suis d'accord. Mais tout va bien. Donc en fait l'ascenseur peut nous mener à un passage secret qui nous mène jusqu'au boss en question. Jusqu'à la zone du boss et qui nous fait nous mettre bien. Donc c'est bon, j'ai découvert un passage, j'ai tout faire le truc. La zone est tellement... Enfin, c'est ce que je disais, hein, il y a des mystères. Il y a des mystères autour des zones et à explorer, etc. Ça vaut vraiment le coup de prendre son temps. Et de regarder un peu à quoi ressemble autour. À quoi ça ressemble en fait. Pour comprendre là où tu es et comment tu peux juste arrêter de te perdre. Parce que se perdre dans ce jeu, ça peut être punitif. Je vous le cache pas. Ok, on arrive, on est 42 000. On a 43 000 échos de sang. Ça nous fait monter allez, de 2, 1, voire 2 niveaux, pardon. Bienvenue chez le on va les utiliser. Très bien, laissez-moi. On va pouner la force, vas-y. Toujours. Hein. La force pour les dégâts, c'est intéressant, c'est ce qu'il nous faut. Et on va utiliser des objets qui vont nous donner plus d'expérience aussi. Prends notre temps, toujours. C'est ce qui compte. Prise du temps. Objet. J'ai des nécrosangs qui vont me permettre seulement de gagner 1000, j'espère. J'ose espérer 8000 trucs. Enfin, 8000. Allez, utiliser. Plus 3, ah c'est dommage, c'est dommage. J'en aurais pas assez. C'est combien de niveaux? Très bien, laissez-moi. Il m'en faut 6000, 7000, on va dire 7000, allez. On va aller voir si je peux vendre des choses. J'ose espérer qu'on puisse vendre des choses. On m'a dit, ne vends pas! Sauf que, bon. Au bout d'un moment, je peux me permettre d'en vendre, je pense. 10, ça fait 2000, on vend 40 du coup. Ça veut dire 7000, on va dire 8000. J'ai pour le level up, elle est wiki Tyrakus et coucou Tyrakus. Allez, 40, hop, de toute façon, m'en reste 25. Is ok. Bienvenue, je le désire. Très bien. Ça se ferme, de toute façon, ça se ferme. Donc c'est pas. J'hésite entre augmenter ma vita. Et augmenter ma... De la force. On va taper plus fort. On va taper fort. J'en suis... En fait, là, dans Bloodborne, l'une des particularités, c'est qu'il y a très peu en stats, si je vous les montre rapidement. En stats de perso, il y en a 6. Il y a vitalité, donc c'est la vie. L'endurance, c'est le fait de pouvoir... Enfin, l'endurance, c'est taper ou faire des esquives. La force, donc c'est les stats qui permet de taper plus fort, enfin qui augmente tes dégâts, sachant que tes armes dépendent de cette stat là pour taper encore plus fort. La compétence, c'est ce que certains appelleraient la dextérité en fait. C'est la même chose, ça permet de caler, enfin,
Certaines armes sont dépendantes de cette compétence pour taper plus fort. La teinte sanglante, il me semble que c'est pour les dégâts de sang, les dégâts des armes à feu. Et l'ésotérisme, c'est pour tout ce qui est lié à la magie. Sauf que moi, je suis sur un build assez classique, de force, quoi. Et du coup, j'ai pas trop de... Comment on appelle ça ? De limitation, quoi. Pas trop de questions à me poser. Ah ! 10,5. Et commenté. Possible 258 ou... Ah non, on va faire ça. Voilà, je passe à 258 en dommage physique. C'est plutôt sympathique, intéressant. Et je vais peut-être remettre mon attirail qui va augmenter ma défense. Peut-être. Ouais, non. Peut-être me jeter une chasseur par contre. Gandhiargoul, on va la mettre. Et... Alors, je suis très mauvais en build, hein. J'essaye de lire des trucs, je connais pas le boss qu'on va affronter, mais je me dis que c'est toujours intéressant d'augmenter un peu la défense avant un combat. Et on va aller au... à la chapelle toujours. Non, on va aller à Yargoul, le visage invisible. On va prendre l'ascenseur et on va se jeter dans le vide avant. Il y a des bonus si tu... Je crois pas. Elwing, je crois pas. Je me suis posé la question à un moment. Et soit c'est il me semble qu'il y en a peut-être un, mais c'est spécifié. Que c'est spécifié que si tu portes la tenue complète, t'as des bonus particuliers, mais il me semble que sinon c'est YOLO. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas l'impression. Hop, on va rush, toujours rush. Toujours plus de rush. Tiens. Ah, je me fais toucher. Relou. C'est pas grave. En plus, on a même pas full popo, mais c'est pas grave. Là. Voilà. On arrive sur le toit avec les chiens. Les chiens qui ne loutent rien, évidemment. Ici, on va arriver à la vasque qui nous emmerde, qui nous emmène au-dessus de la zone du boss. On va tuer l'invocatrice et ensuite on va au boss. Coucou Gigilou, comment tu vas? Donc on est là, l'invocatrice elle est en face. Voilà. Coucou Psycho, merci pour le raid. Coucou les raiders. Hop là. Merci Psycho pour le raid. Comment est-ce que tu vas? Tu jouais à Final Fantasy XIV. Comment s'est passé ton stream? Bienvenue à toi et tes raiders. Merci pour le raid en tout cas. Coucou les tryharders. Comment tu vas? Je me pose là avant qu'on aille taper un boss. Il y a un boss là juste derrière l'arche. Du coup, on parle un petit peu avant. Comment s'est passé de ton côté? Merci pour le raid en tout cas. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien en fait. Coucou Psycho. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je veux dire? Impec, on a fait un petit raid bien chaud. Mais ça c'est même. Ah bah tant mieux si t'as. Vous étiez combien pour le raid? Vous avez fait. Enfin c'est un boss j'imagine. Y a pas de... Je sais même pas s'il y a du PVP dans FF14. Mais ah putain 24 quand même. Petit truc bien sympathique. J'ai. Ça va être impressionnant de jouer à plusieurs aussi nombreux. Allez, bon, les voix s'intensifient. Nous, on s'apprête à combattre un nouveau boss, évidemment. On fait que ça dans Dark Souls, dans Bloodborne, pardon. Qui est-ce que je pourrais invoquer ici? Appeler le Renégat Antal. J'ai la flemme. On va découvrir le boss avant d'appeler qui que ce soit. Voilà, clairement, hein, je vous le cache pas, ça ressemble beaucoup à une arène de boss. Et Brietas, non, elle est pas tombée. Je fais autre chose. Je fais autre chose en attendant et on y retournera un jour. Et là, elle est pas tombée, malheureusement. J'ai abandonné. J'ai refusé. Elle en arrive sur une nouvelle. Oh! La lune rouge. La lune rouge dont on nous a parlé avec le bébé, l'enfant, l'enceinte.
fuck. Waouh. Oh, c'est laid. Oh, c'est laid. Oh, c'est moche. Les dégueux, ouais, totalement. Une créature faite de crâne et de squelette. Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est pas du type qui voit ça tomber dans lui qui fuit pas. Ah non, clairement. Ok, donc c'est celui qui renaquit. Oh putain. Attendez, il y a plusieurs zones pour taper. Il y en a trois. Oh putain, non, j'ai cru qu'il invoquait des gens. J'ai eu très peur. Bon. Attendez, y a elle qui gueule là-haut, là. Y a pas moyen d'aller la taper. En vrai. Putain, mais ils sont. En fait. D'accord, je me fais attaquer de tous les côtés, évidemment, sinon c'est pas drôle. Oh là! Ok, on fuit, on se soigne. Ok, en fait c'est ça. Oh oui, c'est derrière un peu là. Ah, attendez, papa il est tombé. Dans seul jeu. Est-ce que c'est un first try? Même en l'appelant Kiki, ça le rend pas plus sympa. C'est un first try, parfait. Nice. On est très content, écoutez, c'est. Ok, bon, on est bon. Ça commence bien. Magnifique. Coucou, coucou Teach. Comment tu vas? Je sais pas ce qui est le plus laid, le boss ou son nom, celui qui renaît. Merci pour le GG Tiflorg. Bon, ça commence bien. Celui qui renaît, bah, est remorque en fait. Hein. Enfin, c'est. On a débloqué l'épine dorsale jaune. Inventaire. Qu'est-ce que c'est l'épine dorsale jaune? C'est ça. Ah, donc c'est pour du calice. Très bien. Voilà, on va aller level up. Hein, je vous le cache pas. On va aller level up. Toujours plus de level. Bon, et ben, je suis très content. Voilà, je mets un petit GG aussi parce que les GG c'est. Voilà, moi j'aime bien ça. Canaliser les échos de sang. Merci pour le GG, c'est cool. Passons à une nouvelle 40. Oh là là. Dieu brave, puissiez-vous trouver votre valeur. Ok, donc c'est un bon. Je suis niveau combien? 69.
Je vais acheter des popos. Je vais acheter des potions, les potions c'est cool. J'en ai acheté une dizaine. Vas-y. Petite potion s'il te plaît, ça me va. Bon, celui qui revient, il est bon, il est mort. Encore. Et on va retourner place de l'avant. On va explorer la suite de la zone. Cool, 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 cool. Bon, on avance plutôt bien. Toujours plus. Toujours plus, toujours mieux. Toujours plus mieux, comme disent les gens. J'aime bien ça. Même en l'appelant Kiki, quoi. C'est ça, mais c'est ça du Jilou, hein, clairement. Même en l'appelant Kiki, ça ne le rend pas plus attrayant comme personne. Ça, c'est même quelque chose de... Quelqu'un de plus... Enfin, très hypocrite de l'appeler Kiki, en fait. J'ai pourtant level up, d'ailleurs, du Jilou. Ok. Mais là, c'était bizarre. Enfin, c'était bizarre. C'était un peu... Ce qui était insupportable, entre guillemets, c'était le fait qu'il y ait des... Des petits péons, là-haut, qui commencent à balancer des petites boules de feu, là, tranquille. En mode, ouais, non, mais... J'ai le temps. Ok, donc là il y a des grandes marches. On arrive dans une sorte de manoir. Je sais pas quoi. Vous jugez beaucoup sur le physique. Comment ça? Ah, mais non, mais ce monstre là! Bah, c'était compliqué de pas le juger sur le physique. Hein. Il faisait quand même un peu peur, tout psycho. Sans vouloir. Niveau 20, c'est Magikarp ça. Oh oui, c'est... Mais c'était. C'était comment dire? Oh là là. Il y a une personne en face. C'était compliqué de pas juger sur le physique, psycho. Je sais que c'est pas bien de juger sur le physique, mais là... déjà, le mec avait deux têtes. Enfin, plusieurs, en fait. Peut-être que lui, il trouve que c'est nous qui faisons pas... Peut-être, hein. C'est peut-être pour ça qu'il essaie de me tuer. Ça expliquerait des choses. Alors, là, il y a des gens sur des trônes. Avec un bébé qui pleure, toujours. Je pense que vous... Je sais pas si vous l'entendez en fond, le bébé. C'est assez bizarre. Examiner la momie. On arrive à une nouvelle zone. J'en profite pour mettre mon sweat parce que je commence à avoir froid. Je n'osais pas le mettre pendant le combat de boss. Je me suis dit, ouais, non, vous savez, le combat, le boss, c'est pas cool. Centre de conférence, mais on est déjà venu ici. Enfin, je connais cette zone. Enfin, c'est pas nouveau. Genre, je peux l'activer. Ah non, attends, c'est pas nouveau. Ah, il y aurait une... Donc ça serait les deuxième étage du centre de conférence. Parce que j'ai déjà exploré une partie de la zone en tout cas. Donc là je serais au étage supérieur. Un truc comme ça. Intéressant. Perso je l'entends pas le bébé. Ah, il pleure très peu. Là il pleure pas en tout cas. Ok. Ok, en fait, cette zone, je l'ai déjà explorée, mais en bas. Enfin, la zone en bas, je crois. C'est... Ouah, attendez, je... On a... Et ça nous amène dans une zone qui s'appelait le cauchemar. Oh là là, calmez-vous, les potos. On reste derrière là. Il y a juste un bébé. Non. J'ai pas dit ça, ok? J'ai pas dit ça. À moins que ce soit pas le même centre de con. Ah, vous le voyez lui? Ça se pourrait. C'est dégueulasse lui. Tranquillisant. Où est-ce qu'on est? Je suis perturbé. Je... Tiens, toi, tu savais que t'étais là, je t'avais vu. Je suis perturbé simplement parce que le centre de conférence, on y est déjà venu précédemment, mais par un autre chemin. Je sais pas à quoi m'attendre. Je connais cette salle. Je connais cette salle, j'y ai souffert beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai trigger tous les gens qui étaient là, en bas, quand j'étais en bas, et ils sont avec toutes ces personnes-là qui m'attendaient. C'était compliqué.
Inspecter. Maître Willem avait raison. L'évolution sans courage sera la perte de notre race. Oh là là, mais attendez. Coucou Nin, merci pour le raid. J'ai été surpris. Je me suis fait surprendre par... Merci Nin pour le raid. J'espère... Comment ça va? J'espère que ça s'est bien passé. Si vous étiez sur WeWereHere2, j'espère que je fais une chose s'est bien passé. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à toi. J'espère que ça va. J'ai eu peur. J'ai eu un petit peu peur sur le moment. Entre tout le raid et le... Et le monstre qui a bobé derrière moi. Chassez les grands, chassez les grands. Coucou Sorento, comment tu vas? Plaisir, et ouais c'était trop cool. Ah ça va, on avance, on vient de first try un boss. Easy, j'ai envie de dire, easy. Ça avance tranquillement. Là il y a un truc géant. Putain, ils sont combien? Tiens, toi tu meurs. Non, ça se passe pour l'instant, on est en train de chill sur Bloodborne. On arrive à la fin du jeu, tranquillement, mais sûrement. On continue, on travaille un petit peu, ça se passe bien. Non, j'ai pas down Ebrietas, je suis pas retourné, j'ai fait autre chose, on continue. En fait, Ebrietas c'est un boss optionnel, et j'ai dit fuck, on continue la zone principale et on y retournera plus tard. Et la zone principale, j'avance, tranquillement. Coucou Tiratus. Et ça se passe, écoute, ça se passe, c'est plutôt bien. J'explore cette zone que j'ai déjà explorée une fois. Enfin, en fait, cette zone qui s'appelle le centre de conférence a deux étages. J'avais exploré l'étage du bas parce que j'étais arrivé à un autre endroit. Et là, on est en train d'explorer l'étage du haut. L'entité lunaire sans nom, ailée par Lorenz et ses associés. Balsan. Balsan sombre bête, mais elle est morte, je crois. Trois tiers de cordon. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au un tiers de cordon ombilical? Ça doit être lié à ça. Coucou les raiders, coucou Psycho. Re-Psycho. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que c'était plutôt cool. Vous avez réussi à le finir du coup, Nin, le jeu? Oula, toi t'as l'air moche. Oh. Oh là là. Oui, finito. Nice, GG. Par rapport au premier, il est comment? Plus dur, plus simple, enfin, équivalent. Putain. Attends, je me concentre un petit peu et je vous reprends juste après. Parce que lui, il est un peu... Enfin, vous voyez, il est grand, quoi. En 4 heures, GG. Tiens! Non! Ça aurait pu être le coup fatal. Je esquivais pas le dernier coup et je mourrais ici comme un caca. Ça se passait mal. En 4 heures, question bête, il y a un level cap dans Bloodborne où tu peux finir à 9. Je crois, en fait, dans les stats, il y a un level cap. Dans chacune des stats que tu peux monter, donc la Vita, dont la Vita en fait, t'as un hard cap. Qui est je ne sais pas à combien, mais en gros, en accumulant tes New Game Plus, tu peux arriver à un maximum dans chacune des stats en tout cas. Tu peux pas arriver, je pense, je sais pas quel est le maximum de PV, mais tu peux arriver à un maximum, ça c'est sûr. Ça, y a pas de. C'est une information qu'on m'a filée. Et du coup, tu peux maximiser toutes tes stats à force de jouer, et donc avoir le maximum en vie, le maximum en. En force, etc, etc. C'était les deux du début qui m'embêtaient. Morceau de sang, parfait. Un peu plus complet, mieux fait, les énigmes sont plus claires et franchement je les préfère au premier. Oh, nice. Ok, cool. Ça donne envie. J'ai fait le premier avec ma copine. On a bien, enfin c'était plutôt cool. Et on se tâtait à faire le deuxième. Il faut qu'on le fasse de toute façon.
Et du coup, ouais, j'avais vu ça. Mais après, celui-là est pas gratuit, on est d'accord, celui-là est payant, donc j'imagine qu'ils ont mis un peu, enfin, ils avaient un peu plus de moyens pour le faire, ou ils ont essayé de faire quelque chose de plus complet pour justifier le fait qu'il soit payant par rapport au premier qui était gratuit. Cette salle-là, on s'en fout. Là, il y a un coffre. Communion. Communion, une nouvelle zone. Pas une nouvelle zone, une nouvelle rune en fait. Simplement une nouvelle rune de. Ça s'appelle de Caril qui nous permet d'augmenter nos stats ou d'augmenter le nombre de potions qu'on peut porter par exemple. C'est plutôt cool. C'est plutôt sympathique. Écoutez, moi, ça me plaît. Excusez-moi, je regarde un truc. J'arrive rapidement. Tu m'avais fait un joli dessin. Oh oui, je sais. C'est bon. Allez, on continue. Ah, là, il y en a un au-dessus. Vous voyez, il y en a un juste au-dessus du plafond. Il m'attend. Un en haut du plafond. Ah non, il m'attend pas, il attendait. Il est pas mort, je suis déçu. Je passe en l'heure pour me poser un peu. Pas de soucis, Nin. Merci encore pour le raid. Et bon, enfin, pose-toi, quoi. Merci encore. Il y a une échelle ici, l'échelle qui va nous amener à une pièce où il y avait un fou, sur laquelle on pouvait pas rentrer la première fois qu'on est venu ici. Mais on va y aller. Et là, il est juste là, le type. C'est une araignée. Terrible. Avec plaisir à toutes. Pas de soucis, à toutes. Donc là. Ce type-là, je sais pas si je peux lui parler. Parce que lui, il s'était foutu de ma gueule là, de l'autre côté de la porte. Je vous cache pas. Est-ce que je peux lui parler ou est-ce que je dois forcément le tuer? Oh! J'aurais peut-être pas dû le tuer. C'est tout ce que je dirais. Oh le seum, j'aurais peut-être clairement pas dû le tuer, il y a un loot. C'est ça ma discussion. Mais je me suis planté de bouton. Suis juste planté de bouton. Je vous cache pas que j'ai un peu le seum là. Parce qu'il est mort, il est mort définitivement, évidemment. C'est un PNJ de plus sur ma liste des morts. Alors que j'aurais simplement pu lui parler et lui dire, voir apprendre des choses. Mais non, je l'ai tué, comme une crocro, un gros caca. Et GG pour vos level ups Q, Whisper, Crocro et Psycho. Assassin! Eh oui, mais il m'a fait peur et je crois que j'ai paniqué. Ouvrir la porte vers l'extérieur. Putain, je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Je sais pas où on va, mais on. Et du coup, ouais, l'araignée, je. Putain, j'aurais pu lui parler. Là où Malus passe, les PNJ trépassent, mais c'est globalement ça ma partie. Cauchemar de Main 6. Attendez, mais cette zone-là, je la connais aussi. Pas du tout. La sonneuse de cloche fait résonner une cloche sinistre. Quoi? Mais non, mais non, mais non, mais non. Oula, dans l'ordre Draco, personne, Smoko, ok. T'as du monde, t'as du monde, en gros, pour les Pokémon. Là, y a le bébé, vous l'entendez le bébé là? Oh, j'aime pas ça, je sais pas où je suis, mais j'aime pas ça du tout. So you die. Oh, t'es mort, avant que. Oh là, toi t'es pas. Oh putain, un mob qui lâche un autre mob. Attends, elle sume. Ok, donc ils se sont multipliés ou je sais pas quoi, c'était assez chelou. Faut venir, Morson, il va monter les 80 level. Ah, c'est compliqué. Putain, elle a level 80, Whisper? Non. Le Morse, il est déjà là. Attendez. Ah oui, Whisper 80! Ouais, ok! Mais j'étais pas. Je pensais pas. J'étais encore. Pour moi, t'étais encore dans les 70 et quelques. Ok, très bien. Bah, GG Whisper, écoute. Ouais, on entend le bébé.
Ah, ce phare. Mais ouais, légèrement, légèrement. Il y a des choses quoi. Ok, donc je sais pas où on est. Nouvelle zone qui s'appelle le cauchemar de Mensis. Donc le centre de conférence nous mène sur deux types de cauchemars. Celui-là, qui doit être obligatoire, qui doit être une zone non optionnelle. J'aime les morceaux de pierre de sang, ça permet d'améliorer les armes. Il y a une cathédrale ici, évidemment, sinon c'est pas drôle. Sauron? Sauron, c'est toi? Oh là là! Oh là 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 là! Oh putain! Ok, donc je pense que quand je suis regardé par la truc, je suis baigné dans la folie et je prends des dégâts de folie. Angoissant le cœur qui... Ah, clairement, clairement, clairement. On va rester planqué en fait. En fait, quand il me voit pas... Oh oui! Oh, une lanterne. On va farmer. On va level up. Toujours, toujours plus de level up. Mais le cœur qui bat, ouais, c'est... La zone là-bas, c'était particulier. Et donc ça me rendait fou. Très bien, je note. Allez, quoi? Non, mais ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer. Juste. Je veux passer niveau 70, écoute, et faire mal. Et tu vois, donc Sorrento, pour répondre à enfin, pour répondre à ta question, c'est ces 6 stats ici que tu peux augmenter. Et donc chacune joue sur d'autres statistiques, enfin sur tes PV, les dégâts que tu fais, ta défense par exemple. Et donc là, j'ai un build qui part en force. Concrètement, et j'ai pas encore atteint la limite, mais je pense que toutes les chacune des stats ont la même limite. Donc, à voir comment ça se passe, quoi. Fortifier là, est-ce que je peux fortifier mon épée marteau? Évidemment. Parfait. Plus 9. Oui, c'est concrètement, c'est la même chose, hein. C'est pour moi, c'est le même système de level que dans les Dark Souls, enfin dans les Demon et Dark Souls, quoi. C'est pas les mêmes statistiques, t'en as moins là à gérer a priori, il me semble que dans le Dark Souls t'en as beaucoup plus. Là c'est plus t'en as moins, mais c'est plutôt ok quoi. Alors c'est pas ici qu'on va se téléporter, c'est pas là non plus. Enfin, le fait qu'il y en ait moins, je trouve ça plus facile personnellement. Centre de conférence pour l'avantage, frontière des cauchemars et cauchemar de Mensis. J'ai ces deux zones-là à explorer du coup. Celle-là a l'air d'être optionnelle, et celle-là a l'air d'être obligatoire. On va aller explorer le cauchemar de Mensis, on va voir un peu ce qui se passe. Poupoupou, je sais pas s'il y a un point de non-retour dans le jeu en fait, c'est ça qui m'emmerde un peu. Comme je sais qu'on est à la fin. Je sais pas depuis quelle heure ils sont. Ça fait un peu plus d'une heure que je stream, non? Quelqu'un peut faire un point d'exclamation uptime, ça? Enfin, attendez, je vais le faire moi-même. Une heure et demie, ok, ça marche, merci. Je me cache, je me cache, je me cache, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Mais non, mais non, mais non, mais je suis pas caché, c'est ça? Pour toi, je suis pas caché. Salut. Ok, on est bon. Mais non, on ne sait pas. Non, pas de soucis, t'es psychopathe. Je l'ai demandé. C'est très gentil. Fiole de sang, on a des popos de sang. Oh, mais non, c'est moche. Ça fait pop des trucs physiques dans mon corps en fait. Pas des trucs physiques. Lui aussi il prend cher. Attendez. Oh, calme-toi la grande là. Oh.
se calme. On se calme. Ok, on run, on rush, on rush, on rush. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, il y a une porte. Oh mais qu'est-ce que vous êtes laid. Oh je m'en fous, il y a une lampe. Oh putain. Bon lui est mort. Ouais, j'ai laissé de passer au marteau. Ne pas mourir, ne pas mourir. C'est bon. J'ai pas stressé, c'est pas vrai. Pas stressé. Là, je sais pas ce que c'est. Ça brille. C'est un ascenseur. C'est-à-dire que c'est une zone optionnelle. Enfin, c'est une zone. Que le jeu, dire que j'ai le jeu, j'irai jamais le lancer. Mais non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Le jeu est cool, mais je peux comprendre. Moi, je l'ai lancé, je l'avais acheté il y a 2 ans à la base. Et je l'ai lancé à Noël. Bon, j'ai un peu traîné, tu vois. Je dois avoir une cinquantaine d'heures dessus. Et concrètement, je l'avais acheté bien avant. Tiens. Tiens, et tu tombes en plus. Vision. Ok, 20 000 points. J'imagine que là il y a toujours pas d'ascenseur. Ça c'est le mécanisme pour appeler cet ascenseur. Ah non, pas du tout. Il y a deux mécanismes, donc il y a cet ascenseur là, très bien. Il y a un autre mécanisme par là. Il sert à quoi lui? Ok, bon il y a deux leviers. Il y a deux leviers, je ne sais pas à quoi ils servent, dans le doute. On retient leur position. Allez, ça attaque encore sur le physique. J'ai lancé et j'ai arrêté. Un jour je reprendrai. Courage. Je comprends qu'ils puissent rebuter. J'ai eu une phase d'apprentissage aussi qui était assez rude au début. Les premières heures étaient assez violentes, je vous le cache pas. Dans le sens où je sortais de Sekiro. Sekiro qui était bon, pareil. L'histoire je la raconte tout le temps, hein, mais c'est Sekiro, c'est le seul From Software auquel j'ai joué avant. Sekiro que je masterisais, c'est-à-dire que le jeu je le finissais. Très très rapidement, rapidement. À l'échelle globale d'un jour lambda, je le finissais rapidement. Et globalement, j'avais des facilités et tout à la fin. Je commence Bloodborne et le jeu me roule dessus, me roule dessus, me roule dessus, me roule dessus. Et j'étais pas bien, j'étais assez frustré. Et il m'a fallu un petit moment pour accepter ça, pour accepter que je recommençais un nouveau jeu, un nouveau style et qu'il fallait que je réapprenne en fait. C'était compliqué au début, mais ça passe. Il faut juste s'accrocher. Et c'est ce qu'on disait, enfin ce que je disais tout à l'heure à Tiflork, c'est il faut accepter, enfin pour avancer dans Bloodborne, quand t'es pas un pro du genre, il faut accepter de devoir avancer, enfin de devoir apprendre et de devoir rencontrer des murs en fait. Putain, ça fait mal par contre. Il faut accepter que le jeu sera pas un voilà, tranquille quoi. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais c'est comme ça pour tous les Souls, hein, je pense. Faut accepter que le genre est un petit peu rigoureux et qu'après, ben voilà, c'est tout. Enfin, c'est compliqué, mais c'est un style différent. Il faut accepter de. Enfin, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste essayer d'accrocher, de trouver d'autres moyens. En fait, le jeu, c'est pas une ligne droite sur laquelle il faut rouler sur les boss. Il y a plein de petits chemins détournés, il y a plein de zones à faire optionnelles qui te permettent de progresser. Et donc, derrière, tu progresses et tu reviens sur un truc précédent. Donc là, actuellement, moi, c'est Briettas. Tu vas lui rouler dessus parce que tu auras appris autre chose. Et c'est ça qui est plutôt cool, en fait. Pourquoi tu fais demi-tour? Parce que là-bas, la porte est fermée. Enfin, j'ai pas accès aux ascenseurs. Et du coup, je vais aller à gauche. Ouais, y a un escalier que j'ai pas pris tout à l'heure. On va aller là-bas, Tiratus. Si t'as une PS, il est dans le pack gratuit. Ouais, il est dans le pack collection gratuit, mais faut avoir le PS Plus, c'est ça? Enfin, il est gratuit si t'as le PS Plus, il me semble. Si t'as pas le PS Plus, t'es U. Enfin, U.
Mais... Attendez. Là, il me voit plus. La folie, là, la barque qui se remplit au-dessus de mon personnage, quand elle est pleine, elle me fait perdre les trois quarts de ma vie. On va attendre qu'elle redescende. Parce que c'est le cœur, c'est les battements du cœur qui me rendent fou. On va attendre de redescendre. Qu'elle redescende avant de continuer. PS Plus, ouais. Je pars toujours du principe que les gens ont le PS Plus de nos jours. Je l'ai pas, moi, tu vois, typiquement. C'est un truc dans lequel, enfin, j'ai aucun intérêt parce que je joue pas en multi sur console. Quand j'ai des jeux multi, ben, typiquement, quand je joue avec Rory ou quand je joue avec d'autres personnes, c'est sur PC. Parce que j'ai pas envie de payer un service pour jouer du multi, quoi. Ou avoir accès à des jeux gratuits. Parce que les jeux gratuits m'intéressent pas toujours. Et je sais pas, je préfère payer mes jeux. Je suis de la vieille école, hein. Je préfère payer mes jeux et j'aime pas qu'on m'offre un truc. C'est souvent... Enfin, je sais pas, je sais pas, c'est compliqué. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais je préfère payer mes jeux et... Et le multi, j'y joue très rarement, donc sur console, du coup... je prends de temps en temps ou j'utilise celui de mon frère quand j'ai besoin de ça dans ces cas-là. Je joue pas en multi, mais les jeux gratuits font que... Ouais, moi je comprends, je peux comprendre que les jeux gratuits ça attire. Surtout en ce moment, ils donnent des trucs plutôt sympathiques. Viens là, toi. Non? Non, il est en 30. Oh! Coucou, Yal! Go, il peut... Mon dieu! Je me suis fait surprendre de ouf! Merci pour le renouvellement de cadeaux. Le renouvellement de sub, Hippojami, merci beaucoup. Oh bordel, comment tu vas? Comment s'est passée la fin de ton stream? Oh putain, je suis dead! J'ai eu tellement peur! Pourquoi j'ai pas eu la notification? Bah alors on meurt dès que j'arrive? Mais oui! Mais oui! J'ai été surpris par la notif en fait. Et je sais pas pourquoi t'apparais pas dans le fil d'actualité de la chaîne. Mais merci pour le resub en tout cas, c'est super gentil. Enfin le renouvellement en tout cas. C'est ouf. Alors j'ai un debug user notice dans le... comme vous pouvez le voir dans le chat là actuellement. Mon bot il me balance un debug quand il y a des cas qui arrivent qu'il ne connaît pas. Mais c'est super gentil en tout cas, merci beaucoup. Bonsoir. Alors on tue le streamer en arrivant. C'est ça! Tiens, tombe! C'était calme. T'as réussi à avancer sur ton dessin. Si vous voulez voir, alors, je sais pas si tu veux qu'on fasse, enfin, si tu acceptes qu'on fasse ta pub ou pas. En gros, Hippojami a l'habitude de publier des choses sur le Discord, des dessins, des œuvres qu'il fait en fait, qu'il réalise. Et il le fait parfois en stream. Donc, typiquement, cet après-midi. Il l'a fait en stream, il participe à un concours qui s'appelle ATA. ATA, c'est ça, c'est ATA le nom du concours. Casse-toi. Oh putain, je suis mort comme une merde. Bon, j'ai perdu mes 30 000 points, mes 20 000 points. Il participe à un concours, enfin, Twitter de dessin, et il le fait sur sa chaîne Twitch, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Si je fais un petit SE normalement. Hop, c'est là. Voilà, donc vous avez le lien de sa chaîne qui est là, si vous voulez voir comment son processus créatif, n'hésitez pas à aller follow. Voilà. Mon instant pub. Coucou Seb, comment tu vas? Hello there. Tiens, recule et tombe. Oh putain, d'accord, ça lance des cailloux. Bah ça va, je viens de mourir, mais ça va. Je crois que j'ai loupé une mort d'ailleurs. Et du coup... Coucou tous les Posales, comment tu vas? Oh mon dieu, j'avais loupé une mort, c'est ça, il me semble. Non, il l'a pas pris. Comment est-ce que vous allez tous les deux? Ouais, ça va. Hop, on a 236 morts actuellement. Crocro qui a le meilleur promo actuellement. Hello. Ah ouais, Rocket c'est un bot, voilà, c'est parfait.
Voilà, Rocket, c'est un bot qui est là, qui fait plein de choses. Donc, il salue les gens aussi. Donc, j'ai fait un truc, quand on demande comment il va, bah, il répond ça. C'est tout. Tiens, redonne-moi ma vie. Putain, attendez, 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 attendez. Lui, il est vénère. Il me lance des. Ouh, j'ai eu très peur. Je l'ai vu voler, j'ai eu très très peur. J'ai mis le dessin à la fin. Ça marche? Eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur Discord ce qu'a fait Hippojamy pendant son stream. J'irai voir ça après du coup. Le thème c'était Céleste, hein, c'est ça? Si je dis pas de la merde. Hop. De mémoire. Ah si, il est mort quand même. J'ai eu peur. Je me suis demandé s'il était mort ou pas. Ouais, le mob il est vénère. Le mob il est vénère ici. Il m'a demandé comment j'allais, du coup j'ai cru que c'était un vrai mec avec une connexion de ouf. Et non! C'est vrai qu'il devrait attendre peut-être un peu plus longtemps avant de demander histoire de. Mais ouais, non, c'est un bot. Recoucou avec du feu dans la poêle à bois, dans le poêle à bois. Recoucou du Jilou. Oui, je sais tout, mais j'ai appris, je suis passé, j'ai tout lu, j'ai tout retenu. Ah putain. Attendez, je pense qu'on va aller farmer les popos. Oui, ils mettent super cher. Oh, le rocher qui pop de nulle part! Ouais, le rocher qui pop. Putain! Incroyable, quoi. Toujours le décès. Toujours le décès. Oh là 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 là! En fait, bon, il me reste une potion. Je sais pas, je pense pas que ça va être la chose la plus. La potion la plus rentable du monde. Ici, il n'y a que des leviers. J'ai vu ça. Ouais, non, la fonction. J'ai pas de commande rip. Il y a des commandes dans les points de chaîne si vous voulez. Mais j'ai pas de commande comme ça de son rip. Et du coup, en fait, eux aussi se font avoir par le battement de cœur, je note. Ils meurent en fait. Quand le battement de cœur arrive, s'ils restent au soleil. S'ils restent dans le battement de cœur, ils prennent cher au niveau des PV a priori. Ben, c'est lui. Je peux pas m'enrocher, sauf que tu l'as pas. Je l'ai pris direct et je l'ai pas vu arriver surtout. Je l'ai pas vu. Tu n'as pas de raison funèbre, je vois ça. Mais j'en ai dans les points de chaîne si tu veux, regarde, ça fait ça. Voilà. Voilà, ça fait ça, par exemple. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. En fait c'est aléatoire. Faut juste prendre la récompense quoi. Ok, vous savez quoi? On va aller faire une autre zone. Je suis en train de tilter. De ouf. De ouf. Je suis en train de. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. On va aller faire autre chose. On va aller ailleurs. On va prendre une zone qui me paraît moins pénible, on va dire. Où est-ce qu'on pourrait aller? Où est-ce qu'on pourrait aller? Attendez. On va faire peut-être l'autre cauchemar en fait. Donc là j'ai le choix entre. J'ai trois choix, a priori. J'ai Ebrietas, et il me faut des potions. J'ai la zone où on était là, et j'ai une autre zone. Pardon, j'ai une autre zone optionnelle. On va aller voir l'autre zone optionnelle. Hop, clairement, je n'ai pas assez de points de chaîne pour cette zone. Ah, t'as pas cette points. Attends, vous pensez, enfin, tu trouves que c'est si cher que ça, 400 points? Je sais pas trop. Je sais pas à quel point c'est beaucoup ou pas en fait. J'avoue que je sais pas du tout. Loft de Mergo, base. C'est là, donc le loft, c'est là où on vient de mourir. Frontière des cauchemars, on va aller là-bas. Gardez vos points pour l'isolation. Cet homme a raison. On va utiliser. Alors, là, vous voyez dans les récompenses de chaîne, il y en a une à 1 million. La prenez pas, elle sert à rien. De toute façon, je pense pas que vous ayez assez de points.
C'est des récompenses que je vais baisser. Je vais baisser le prix quand on. Quand on les utilisera. C'est pour faire des tests, mais voilà. J'en ai 86K, ça devrait aller. Ah, oui, c'est beaucoup 86K, putain. Du coup, en fait, les points de chaîne pour aller l'isolation serviront à déclencher des bruits d'aliens, qui sont les bruits du jeu, en fait. Tiens. Pareil, Tyrakus, ça sera un truc qui descendra. Ça sera quelque chose qui descendra quand ça sera prêt, quoi. Je vous parle pas des 532 que j'ai. Mais chez XMZ, je pense qu'on en a tous un max en fait. Parce que chez XMZ, il n'y a pas de points, quoi. C'est compliqué d'utiliser des points. Oh! So you're dead, you? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? C'est un trou. Je vous parle pas des 850 que j'ai sur mon compte. Tifleur. Attendez, y a un truc là. Est-ce que je tente d'y aller? Ouais, on va tenter d'y aller. Non! Attendez, c'est. GG pour ton level up, Teach. Désolé, j'ai pour l'expérience, il fallait que je le fasse. Elle est partout, Whisper. Elle est partout. Tu as abusé sur les zéros. Je vous parle pas des 8. C'est pas infini, ça serait bien, hein. Ça serait bien, mais. C'est mon compte bancaire. Ah! Gros jeu de mots, en tout cas. Gros jeu, non, gros jeu, clairement gros jeu. Là, c'était vraiment pour du. Je voulais voir si je pouvais pas trigger l'ascenseur en tombant dessus, en fait. Mais a priori, non. Je suis un peu déçu. Hop, tiens. Je suis chaud pour les PS5 qui flinguent. Si t'en as une à me filer, moi je suis chaud. Ouais. Toujours preneur. Hein. Ok, donc là on va aller là-bas. On va continuer à explorer cette zone. Je suis déjà venu dans le passé. J'étais beaucoup moins fort. Enfin, mon perso était beaucoup moins fort. Et du coup, je tuais pas les mecs comme ça en un coup. C'était plus compliqué. Et. Le problème, c'est pas le prix, c'est les stocks. Ah, évidemment, oui, c'est vrai. C'est un problème, un vrai problème, en effet. Oh oui. Écoutez, on va faire cette zone parce que là, j'ai l'impression que je roule sur le monde. Oh, c'est pas la même là. Je roule un petit peu. Ah, attendez, je suis déjà venu ici. Ton bot se moque de quoi quand. Aucun respect. Non, c'est moi, ouais, mais clairement, mais ça me fait marrer. Il faut que je. En fait, il faudrait que je change, je mette des phrases aléatoires sur le bot quand je meurs. C'est prévu. C'est prévu qu'il le fasse, que je le fasse. Quand on fait un up pour augmenter le nombre de morts, il faudrait qu'à terme, qu'ils disent des choses différentes. Bon, ça arrivera, ça, un jour aussi. C'est quoi ça? Il y a des choses visqueuses et dégueulasses ici, je note. C'est quoi ça? Pareil, c'est moche. Malus qui n'a toujours pas de PS5 non plus. Mais non, j'ai pas de PS5. Pour l'instant, je m'en porte bien, écoute. Pour l'instant, ça va. Je vous cache pas que. It's okay. On va augmenter la résistance au poison. Parce qu'en fait, cette zone, elle est pleine de zones empoisonnées. À terme, il faudrait que. Oh. On résiste un peu au poison. 32. Les stats 31, 23. Oh, c'est mieux ça. Ok. Malus qui essaie de se rassurer ton absence de PS5. Oui, écoute, on fait comme on peut. Hein. On tank psychologiquement comme on peut. Écoute, on va pas venir juger les gens qui n'ont pas de PS5. Écoutez, ne pas avoir de PS5, ça n'a tué personne. A priori. J'espère. Il dit pas avant son anniversaire. Ouais, a priori, pas, genre, pas avant mon anniversaire, la PS5. Parce qu'on veut me l'offrir. Du coup, faut attendre mon anniversaire. Comme je suis né en novembre, ça m'a demandé un petit peu de temps, quoi. Alors, il y a des trucs là-bas à récupérer, là-bas. Écoutez, on va tuer ces mobs-là. Eh, les anguilles, là, venez!
Pas de soucis, bon cucutage. Bon cucutage tous. Alors, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais pas de potion. Non, 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 mais alors c'est irrespectueux ça, monsieur. On va faire un run de popo. On va faire un run de potion parce que j'en ai pas. Et quand t'as pas de quoi te soigner, ça se passe mal, comme là. Du coup, on va faire un run de potion et ça ira. Qu'est-ce que tu dis? 2022, Seb? Oh, on croit au stock avant 2022 quand même. Il est patient pour tenir jusqu'à novembre. Mais j'ai des choses à faire, j'ai d'autres jeux à faire avant novembre, du coup, ça va. Oh, tu sais, Tiflorg il a PS5 et vu ce qu'il en fait, tu ne rates rien. Oh là là, ça clash un petit peu. Je n'ai rien dit. Donc là, comme je disais, on va faire un petit run de potion. Dans le sens où on va aller d'un point A à un point B en tuant tout ce qui se passe, enfin tout ce qui passe pour aller. Pour regagner des potions simplement. Je vais peut-être regarder les runes aussi qu'on a trouvées. À quoi elles nous servent. Regardons, regardons. Il est mort, ouais, clairement. Plus, plus. C'est quoi, c'est des croix? Rip. Rip Pepperoni. Ah, c'est des Rip Pepperoni. Terrible. Communion. Non, communion. Oh, par contre, c'est cool. Plus 4. Attends, non. Ah, merde. Ah, on va mettre la plus 4 pour porter plus de potions. Parce que c'est cool de porter plus de potions. Plus d'écho de sang. Plus... On va augmenter la défense, peut-être. Toute défense renforcée. Ça c'est cool par contre, le grand lac. Et donc c'est quoi l'une? On va mettre la corruption aussi. Reste... Attends, ah merde. Corruption c'est quoi? C'est reste PV qu'on prend avant mort plus 100. Et donc là on a le grand lac, là on a rien. PV augmenté plus 5%. J'ai augmenté plus 10%, nombre de fioles plus 100. Non, c'est mort, on va rester sur du plus 4. Monstre, bonus, transformation temporaire plus 1. Ennemi tué, plus d'objets. Vision. Wow, des objets. Ça, c'est cool par contre. On va utiliser ça pour aller choper plus de potions du coup. C'est parti. Donc là, ça va être surtout du farming. L'étape la plus intéressante du jeu, évidemment, le farming. Maorson, actuellement, qui a le meilleur pronostic de 240 morts sur la fin du stream, la fin du live, là. Putain, on va arriver aux 300, ça va être... C'est chaud. Je pensais pas qu'on irait si haut en termes de morts. Je vous le cache pas. Allez, là on roule. Là, globalement, vous allez voir... c'est un coup, une mort, concrètement. Voilà. Voilà, exactement. Non, on a roulé, on est arrivé, et ils sont morts. Donc on va aller juste vite récupérer quelques potions. Hop, toi t'es mort. On va faire un demi-tour. On va tuer les loups-garous qui droguent des potions aussi. On fera demi-tour. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Toi tu me donnes quoi? 3 fioles, parfait. 3 fioles, c'est très bien aussi. Un petit peu gore, ouais, légèrement. Le fait de se faire attraper par un loup-garou comme ça, c'est pas forcément le... Voilà. C'est pas forcément le plus réjouissant. Ah, lui, il a lâché de la potion aussi. Toi, tu lâches que dalle. Parfait, fioles de sang. Donc ce que j'appelle potion, ce sont des fioles de sang, évidemment. C'est le compteur en haut à gauche. So... Useless, toi. Ça aussi c'est une zone de début de jeu. Donc ça Tiflorg, tu l'as. Cette zone là tu la verras. Si tu tentes Bloodborne, tu la verras. A priori. C'est. Enfin. C'est une zone qui est juste après le premier boss en fait. Ah c'est pas pour les enfants, non clairement pas. Enfin. En vrai. Si t'arrives à faire la part des choses.
Pour moi, il y a des programmes pour enfants qui sont pires que ça, hein, honnêtement. Je dis pas que je conseille, tu vois. Je dis pas que je conseille Bloodborne à des gosses, quoi, mais... Il y a des trucs pour gosses qui font tout public qui sont pires que ça, je pense. Moi, je tenterai Bloodborne en version améliorée sur mon système PS... Ah! En version améliorée sur le PS5. La fameuse version améliorée 60 FPS. Celle qui ne sortira pas avant 2065 environ. Les corbacs là. Comment ça, de quoi tu parles? La version améliorée, c'est ça? Tu parles de ça, Tiracus? En fait, des rumeurs parlent d'une version de Bloodborne améliorée. Parce que là, le jeu il tourne en 30 FPS, concrètement. Le jeu il est en 30 FPS et il est. Enfin, il est pas non plus. C'est pas le jeu le plus beau du monde. Et il y a des gens qui ont réussi, en modant le jeu, à débloquer, à faire en sorte qu'il tourne dans une meilleure qualité et en 60 FPS. Et des rumeurs, des bruits de couloir comme quoi il y aurait une version améliorée qui arriverait ou une version PC qui arriverait aussi. Je sais pas si c'est vrai. Ce ne sont que des bruits de couloir, honnêtement. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qu'il va en être, ce qu'il en sera. Je m'attends pas à grand chose. Je préfère faire le jeu maintenant et me dire que au pire, j'ai pas loupé grand chose, quoi. Non, les enfants, je disais qu'il y avait des choses qui sont. Je sais pas là, j'ai pas de nom en tête, si tu veux, Tiracus. Mais quand tu regardes la télé, il y a des moments où t'as des choses tout publiques. Pas forcément pour les enfants, mais des choses tout publiques qui sont pas forcément plus recommandables, quoi. Dora, c'est pire que Bloodborne. J'irai pas jusque là non plus. Popo. Plus de popo. Oh non, pas du tout. On va aller là. Et là, il y a moyen qu'il y ait une cinématique qui se déclenche. J'espère pas. J'ose espérer que non. Yes. Ok, c'est bon à savoir, il n'y a pas de cinématique ici. C'est bon, je suis reconnaissant. Ok, donc maintenant on a fini ça. On a récupéré nos potions. On va continuer l'exploration de la zone frontière du cauchemar. Hop là, pardon. Les points de chaîne, voilà les points de chaîne. Je sais pas à quel point les points de chaîne sont, vous les considérez comme chers actuellement, les trucs. Je suis curieux. Les animations, elles sont quoi, à 400, c'est ça? 400. Vous les trouvez chers, vous? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de points sur la chaîne pour utiliser les animations actuellement? C'est cher, nous voulons réduire nos impôts. J'ai pourtant level up, Nine. Nous voulons réduire nos impôts. Ah, t'es comme ça. T'as raison, en fait. JCVD. Oui, non, mais alors. JCVD, c'est comme je disais, c'est temporaire. C'est temporaire, c'est parce que c'est pour me permettre de faire des tests. Il baissera, je pense, à 500 avec le reste. Il baissera à 500 aussi, JCVD. Prenez pas la tête avec ça. Tout va bien. Pareil pour la. Salaud. Pour la alien là, enfin celle avec 3 points d'interrogation, elle baissera peut-être 1000, je sais pas trop. Moi chez moi je les ai mis à 200. Ok. Non, c'est pas cher, il voulait juste dire que si tu mets en boucle pour les... Ah oui, bon ok, je peux comprendre. C'est ce que je vois sur... Ok, bah 400-500. Ok. Ouais, l'alien, on verra comment ça se goupille. Faut vraiment que je la fasse. Faut vraiment que je setup le truc. J'aimerais bien commencer Alien d'ici. On est quoi? Pas ce dimanche, le dimanche en 8, du coup. On verra comment ça se passe, mais il y a moins que ça se... si je peux. Tiens. Ça pourrait être cool. Attendez, il y avait des trucs à récupérer ici avant, je crois. Je suis déjà peut-être venu le récupérer en fait.
Ouais, je suis déjà venu ici. C'est bon. Je t'ai passé par là. On va aller voir en face. On va aller voir en face, voir ce qui se passe. Je suis désolé, j'avais pas compris comme ça, du coup, Gilou. En effet. Tiens, tiens, tiens. Non! Tu t'échappes! Il s'est échappé, ok. Ok, le poison va quand même super vite en fait. J'attends qu'on... que lui meure. Croissant n'est pas parfait. Je regarde si je peux pas. Il n'y a pas des choses de... qui améliorent la résistance au poison encore plus. Ça me paraît. Dans mes souvenirs, ça montait pas si vite en fait. Non, ok. J'ai cru à des calamars, j'ai déjà en baigné. Ah putain, oui, clairement. J'adore ça aussi. J'adore ça aussi et du coup ça aurait pu être sympa, je confirme. Oh non 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 non! Yesui empoisonné, ça y est. Je suis empoisonné, ça se passe mal, c'est pas cool. Là. Ok, on se soigne. Toi tu viens là. Parfait. Oh toi quoi. Il y a aussi des gens qui laissent du, qui lâchent. Qui laissent du. Qui font tomber des choses. C'est pas cool. Antidote. Ok, c'est bon. Toi, t'es mort. Toi. C'est toi là-haut. Oh, on se calme. Comment vous désolidariser du truc quoi. Alors que j'ai des pressions qui me permettent d'esquiver les boulets quand ils arrivent. Ok, il y a un truc à récupérer là-bas. Cours, 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 par contre, cours. Ouf, 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 l'empoisonnement évité. Parfait. Attends, il arrive jusque là? Vraiment? Ah non, il y en a un autre! Oh putain, ils sont partout! Je suis empoisonné à nouveau, évidemment. Ok, on va rush, on va rush, on va rush. Attendez, on va tuer lui déjà. Ok, c'est bon. Oh, je l'ai pas vu arriver. Ça me tue, putain. L'un des plus grands ennemis de Malus dans le jeu, les rochers. Ah, clairement. Mais regarde. Regarde ce qu'ils font, ils me font faire les rochers, quoi. Bordel. Voilà, je suis absolument dans le mal là. Je vais monter mon endurance. Hein. Non. Ok, donc je note que les rochers sont terribles. C'est pas du sel, c'est plus du. Ouais, je sais pas. C'est pas vraiment du sel, c'est du dépit, tu vois. Plus du dépit.
Oh, tout à l'heure, toi, bonjour. C'est plus du poivre. Quand même pas non plus, quoi. Mais... Tu sais, des choses, non, là, c'est pareil, c'est une zone cachée. Ah, là, il y a un trou dans lequel il faut aller pour explorer, d'accord. J'ai pas encore trouvé l'entrée, cette grotte. Ok, bon. En plus, ils sont laids, quoi. Du piment, du paprika. Ah, ça. Quelque chose qui pique. Lui il est mort. Tabasco. Ah ouais, Tabasco, ouais, pas mal. Allez, fonce toi. La canne... Ah, la cannelle, c'est pas. Ça pique. Enfin, ça dépend de la dose, tu vois. Ça dépend vraiment de la dose. Oh, je me fais maltraiter par les petits beignets là. Je suis empoisonné, parfait, j'adore ça. J'adore le poison, vous savez. Le poison, c'est ma lubie. C'est un échec. Hop, voilà. Et on va donc foncer vers des zones non empoisonnées. Ok, c'était bon à savoir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Pas du tout. Comment ça, il est pas frais mon poisson? Mon poison. Oh, tout de suite, j'ai pas dit, je n'ai rien dit, mais excuse-moi. Déjà, first step, tuer le mec qui est là-bas. Celui qui est dans la grotte là et qui va. Et maintenant on se tire. Et on récupère les 15 000. Enfin, on se tire pas. Lui m'a pas vu. Parfait, lui m'a pas vu. C'est lui là en face, là, que vous voyez tout en au-dessus de ma tête. Qui m'a lancé le caillou fatal, comme on l'appelle. Je passe en lurk le temps de miam. Je re plus tard. Si tu as fini. Puis tu as fini à la prochaine. Ça marche. Bon miam. Bon repas à soirée de bon app. A plus si jamais on se revoit pas. Partout à Tis. Il paraît que ça me porte bonheur de marcher dans une crotte. A priori, ouais, mais du pied gauche uniquement, je crois. Je sais pas, hein, mais il me semble que c'est que du pied gauche. J'avoue que j'ai pas la raison exacte de pourquoi ça porte bonheur. Allez, ça on récupère. Plante de fleurs de nécrosant, je ne sais pas à quoi ça sert, mais dans le doute, c'est cool. Quand on ne s'empoisonne pas, on n'est pas empoisonné. Le poison, c'est pas pour nous. Toi tu viens, c'est ça? Ok. La rage du calamar. Tiens. Transforme-toi en beignet. Ok, donc là on a passé les zones empoisonnées. Alors je sais pas comment ça se passe après. On va se méfier, hein. Les grottes c'est toujours un peu le pire truc. Ça dépend des chaussures. Sandales... clairement les sandalettes s'abstenir. Oh là oui. Oh là j'ai... la bonne grotte dans la... Dans les sandales quoi. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est moche? Pourquoi c'est un gros... Mais c'est un cerveau sur patte? Attendez. Je me sens un peu surpris. Déjà je suis embêté par le fait qu'on... Je sais pas s'il y a des grottes là. Ouais je prends le risque, je prends des risques pour rien. J'en voulais pas, je... En plus je suis coincé comme une... Attends, toi tu meurs. Prends pas plaisir.
Il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah si, là. Je peux empoisonner, parfait. Putain, il a lâché un loot. Eau profonde claire. Ok, cool. So you, you dead. Ok, donc toi, c'est un rocher. Un lanceur de rocher en moins, c'est cool. J'aime pas les lanceurs de rocher. Lui, là, on s'en fout. Lui, je sais pas comment y aller, je vous avoue. Pour l'instant, c'est compliqué. Ça va être par la grotte qui est là-bas, j'imagine. On explorera ça plus tard. Là, c'est heal. On va récupérer le loot. Nécrosant épais, c'est cool. C'est pour l'XP, c'est pour le level up. Dommage, je suis empoisonné. On va attendre. Qu'est-ce que Sandal et un marteau. Sandal et un marteau. T'as vécu toi aussi. Ouais, c'est en forme cylindrique. Faudrait que j'arrête les la pizza. On va en. Non, on va choper le cerveau là. Oh mon dieu, il a des yeux en plus. Oh, c'est ça en fou. Ok, c'est parti. Résistance à la folie. Au max. Faut juste vérifier qu'il vienne pas, quoi, mais Ok, donc le cerveau rend fou, je note. La créature qui ressemble à un cerveau fait mal. Vous avez vu ma part de vie qui est partie... qui a fondu comme neige au soleil, quoi. Hop, hop, on change de tenue. Ouais, c'est... T'as dû... Je l'ai à peine regardé, je suis devenu fou et... Elle m'a mis cher. Donc faut déjà, faut l'attaquer de dos. Il faut clairement l'attaquer de dos. Allez où? Putain, j'imagine tu, enfin, tu meurs parce que tu regardes un mob quoi. C'est terrible hein, de s'imaginer comme ça, tu juste regarder un mob, ça te tue. Voilà, enfin, c'est un peu la gorgone des... Oh là non non, reste planqué, reste planqué, reste planqué, reste planqué. Tiens! Saleté! Putain, ça monte vite, ça monte vite, ça monte vite cette connerie. Je me tâte, elle est là. Pff, non, c'est dangereux. Il y a un objet là. Il y a un objet. Non, mais on peut y aller de manière safe, par ici. Enfin, safe. Non, reste là! Oui, ça va me tomber, parfait. Micro sans frénétique, parfait. Coucou Sata! Coucou, bienvenue, merci pour le raid. Comment est-ce que tu vas? Et à quoi tu jouais? Ah, attends, Rocket va nous dire. Tu jouais à Isaac, nice! Comment tu vas? Coucou, coucou Spine, comment tu vas? Je te ramène pas. Bah, c'est très gentil, ça reste très gentil de me faire un raid, Sata. Y'a pas de soucis. Comment est-ce que vous allez tous les deux? Comment s'est passé ton stream? T'es sur Repentance? Coucou Dragon. Mon dieu, c'est l'enchaînement. Coucou Dragon, coucou Tanner, merci pour le raid. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien tous les deux. Tu joues Hearthstone? Nice, comment s'est passé? Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi je viens de battre le Mania Mono. Oh, GG Spine! GG, GG. Deuxième raid, ouais, deuxième raid de soirée. Au bout de trois raids, il y a un train de la hype qui se lance. Mais entrez en fanfare, bon sang. Mais clairement, entrez en fanfare. Nice, moi aussi, c'est très bien. J'espère que vous allez bien en tout cas tous. Merci, bienvenue à tous, bienvenue aux raiders aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment chez vous, dans vos streams respectifs.
que vous avez profité de la journée aussi, du petit jour férié. Ici on est sur Bloodborne, on est sur la fin du jeu, enfin on est sur l'exploration, du tueur, du... De la... On met à mal les boss, on se fait mettre à mal aussi. Quoi? Non! 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 Regardez, je vais mourir empoisonné comme un sac. Non, non, non. Voilà, je suis mort. Je suis tombé dans un trou, et le jeu m'a tué. Putain, j'adore cette zone. On vient de perdre 30 000 points d'XP parce qu'on est tombé dans un trou, quoi. Ça s'empoisonne un sac, je sais pas. C'est pas propre, non, c'était moche, c'était moche comme mort, ouais. C'était pas ouf, hein. Bon, on est reparti pour le stuff poison. Je vous cache pas que ça me titille un petit peu, légèrement. RIP, exactement. C'est mérité totalement, quoi. C'est un peu le décès, hein. Je vous le cache pas, c'en est un peu triste. Donc là on reprend notre stuff poison, anti-poison, et on va retourner avancer, quoi. On avance et on se fait bait par du poison et par un trou. En plus je sais où il est. On va aller récupérer. Je sais où il est tombé. Enfin je sais où on est tombé en fait. Donc on y allait tout de suite. Bon, pas là. J'ai failli encore mourir comme un sac, évidemment. Cool. Toi, parfait. Un sac. On sac taché, on s'empoisonne. C'est vrai, Christophe Maier, PZ. Oh, mais non! Tiens, refile-moi la vie, toi. Écoutez, on va aller chercher. Je pense savoir où il est. J'ai dû tomber ici, je crois. Ou dans un trou similaire. On va aller fouiller. On va aller fouiller le deuxième trou pour savoir où je suis, récupérer potentiellement des points d'XP intéressants qui permettent de tenir plus longtemps face à des ennemis. Donc wesh. Toi t'es mort, c'est cool. Moi je dis sauver un sac, tuer un malus. Ah, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. Moi ça m'arrange pas, écoute, de me tuer, mais... Ça m'arrange pas de mourir non plus dans ce jeu, quoi, mais... Comme vous le sentez, quoi, on peut s'arranger, peut-être. Tout va bien. Tout va bien. Je suis zen. Tout va pour le mieux. Oh, c'était la violence, ça aussi. Putain, mais alors cette zone m'en veut. Oh, c'est terrible. Tu veux tuer un malus dans un caillou? C'est ça. Oh, c'est chaud. Oh, j'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt du tout. Cette roquette suffit. Ah, si tu savais. Ah, c'est Tyrakus, c'est pas Tanner. Oh putain, mais écoutez, on va prendre la défense. C'est parce que les tenues que j'ai, enfin, anti-poison, elles ont pas de défense. Pas de défense physique, du moins, du coup. Un caillou et c'est la fin. Ah, le caillou de trop, c'est le caillou de trop. Hein. Toi, tu meurs aussi, voilà. L'avantage de mourir en one shot comme ça, c'est que concrètement, ça me permet d'économiser mes potions.
On note quand même qu'il s'est mute. J'ai rien mute du tout. J'ai rien mute du tout. Je l'ai joué honnête. Je suis juste resté silencieux. Pendant quelques secondes. Je n'ai absolument rien mute. L'angoisse, c'est parti. Du coup, je retombe fatigué, donc je repars tel un prince, sachant que la prochaine mort sera ma prédiction. Ah, courage, courage, courage. T'es... Ouais, 244. 19h30, 19h13, ok. Bon, au moins on a battu un boss. La bonne nouvelle, c'est qu'on a first try un boss. Et ça, ça n'arrive pas tous les jours. Au moins j'ai mes... Attends, donc, il y a un type sur la gauche là. Je peux pas monter, lui régler son compte maintenant là? Si, si, je peux monter, regarde. Mais il est tombé cet abruti. Parfait. Mais du coup j'ai perdu les 30 000 points tout à l'heure parce que je suis mort comme un... Pff, putain. Plante sur du nécrosin, je ne sais pas ce que c'est. Ça permet sûrement de faire pousser du nécrosin. Ok, donc l'avantage, l'intérêt, le parcours, c'est tu passes ici, tu tues ces choses-là. Oh putain, il y en a en face quoi. Pas de loot. Je peux aller jusqu'à lui? Non, je peux pas. Hein. Pas comme ça. Oh, ils sont vénères ici quoi. Au moins, j'étais avec ma nouvelle tenue, j'ai résisté au coup. Mais oui, je me suis un petit peu contenu. Sur le moment où je suis mort, j'ai préféré me taire, ne pas rager, ne rien dire. Garder ça bien enfoui dans une petite boîte, et jeter la petite boîte à la mer. Plutôt que d'hurler toutes les choses possibles et inimaginables. Mais t'as pas des potions en fait à la place de ça? GG pour les level up, je regarde juste après les level up, j'en ai vu. J'attends de rester dans un endroit safe. On roule. Non, c'est bon, y'a personne d'autre. Je me cache derrière un mur, on sait jamais. Et GG pour vos level up, Crowy, Mel, Elwing et Psycho. Et où là? Ok, donc c'est un autre. On arrive par un autre chemin sur une grotte. Pas gaffe, je ne connais pas cette zone. Est-ce que c'est le truc qui chante là? Est-ce que c'est les gros cerveaux? Pas du tout. Il y a un pont en pierre ici. Soit j'ai sur le pont, on va tenter le pont. Oh, y'a une araignée. Ok, attends, on va essayer d'y aller tranquillement. Je vais aller par ici d'abord. Re-sorviens-toi. Mais fuis pas! Meurs toi! Ça devient un petit peu, je vais pas dire stressant, mais un petit peu oppressant là d'un coup. Il y a pas d'objet à récupérer ici. Non, c'est là d'où je viens. Il y a juste un mob. Pas grand chose là, c'est ça? C'est triste. Bon, il y a un pont de pierre, on va... Ah si, il y a peut-être ce chemin là. C'est la fin. Ok, bon, il y a un pont de pierre, on va aller prendre le... Oh, Soren, toi, t'as mangé quoi de bon? Ouais, t'as mangé quoi de bon? On fait notre Xim-Zi. Qu'est-ce que t'as mangé? Dis-nous tout. Là, c'est un passage. Donne un peu de... Non, et pour l'instant, on va... Passage oublié. Petite blanquette de poulet. Nice. C'est cool, le basique. Bah, quand même.
ça fait plaisir. Ah, y'a un truc qui brille là. Y'a un truc qui brille, quoi. Qu'est-ce que c'est? Contrôle de nécrosant. Ah, c'était donc ici. Ouais, donc c'est ici. Parfait, je récupère cet objet là, ça me va. C'est. Cette chose là ici. Cet individu là qui est insupportable. Tiens. Une grotte avec un objet à récupérer. Eau profonde stupéfiante. Parfait. Calmez-vous là. Son épais, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Au sang frénétique, c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Un chemin ici. Juste à une fonte. Ok. On va aller voir ce qu'il y a par là. Mais c'est pas là d'où je viens. Si, c'est là d'où je viens. Je suis en train de nettoyer la zone en fait. On récupère pas. Ah, je suis vraiment tombé. Je peux pas revenir en arrière, c'est officiel ça. Go. Parfois on évite l'empoisonnement, c'est très bien. On va prendre le chemin, Du coup là par moment tu tournes la caméra tellement vite. J'ai rien changé. j'ai absolument rien changé de Tiratus. C'est juste moi qui j'ai la même vitesse que d'habitude. Y a aucun réglage différent. C'est peut-être toi qui fatigue justement, peut-être. Et si t'as besoin de repos, n'hésite pas, hein. y a aucun souci. Je suis chaud pour aller discuter avec l'araignée, on pourra en discuter. Enfin, je sais pas si elle veut discuter ou pas, mais... chaud pour la rencontrer. Il y avait des choses ici, je crois que j'étais récupéré. Attends, je peux aller voir. Je suis venu jusque là. Ok. Non, ok, j'ai tué la personne qui était. Enfin, le monstre qui était là. Tellement vieux, ça doit être moi qui suis tellement vieux. Mais ah, tellement vieux, t'es pas si vieux que ça, quoi. Arrête. T'es peut-être juste fatigué, comme tu disais, y'a pas de soucis. Hein. Ça arrive à tout le monde. Pronostic 246. Oh là. Oh là. Je te sens légèrement pessimiste. Pourquoi? C'est dans ma tête, la vie. Query, comment tu vas? Tu m'imaginais beaucoup. Bah, je dis pas que je t'imaginais beaucoup plus vieux. Enfin, j'imagine pas l'âge des gens. C'est juste que l'expression que tu utilisais. Je pensais qu'on avait une différence d'âge plus importante en fait, simplement. Regardez l'araignée qui est juste là. J'ai envie d'aller la voir. Comment on fait? Par là? Comment tu vas errer? Bah ça va. Ah yes. Okay, c'est un passage. Nickel. C'est pas tranquille. On continue l'exploration de Bloodborne là. On a tué. Comment s'appelait ce boss là? Celui qui est Renati. Je sais pas si ça te parle. Ça a donné un petit first try. C'était cool. Et sinon, là on est en train d'explorer un peu la zone, la frontière du cauchemar. Je sais pas exactement ce qu'on est censé y trouver. Ah, mais attendez, c'était ici. Oh, non, ça nous mène pas.
c'est un raccourci, c'est ça? C'est probablement un raccourci. Ouais, ok, c'est un raccourci vers la lanterne. Très bien. Ça permet d'éviter qu'on se tape absolument tout le chemin, j'imagine. Ouais, j'ai fait Bloodborne aussi, GG pour le first. Merci, merci beaucoup. Oui, je sais que tu l'as fait, mais justement, je sais pas si t'avais les souvenirs, si tu te souvenais de tous les boss ou pas. Mais oui, mais merci en tout cas. Et du coup, on avance petit à petit, tranquillement. J'essaie de comprendre comment le chemin de cette zone là. Là, tu vois, j'aimerais bien arriver jusqu'à. Enfin, je sais pas si c'est un ennemi, je sais pas si c'est un truc mort ou pas. Ah si, c'est un piège en fait, elle m'attend. Elle est suspendue, elle attend que j'arrive en bas et pour me tuer. Très bien, je note, je retiens. Fiole de sang, c'est cool, j'aime la fiole de sang. Oh! Là, il y a un petit chemin ardu. Ok, donc c'est juste pour récupérer ça, ça me va. Et donc il y a le chemin avec l'araignée. Putain. Et on peut pas faire demi-tour, il faut que je reprenne le truc. Ok, bon, c'est parti. Ok, retourne dans le. Là-bas. Dikiki. Ouais, on l'appelait Kiki, celui qui renaquit. Ça le rendait plus mignon. Un peu moins, un petit peu moins. Un petit comment un petit peu moins impressionnant quoi, l'appeler Kiki. J'essaie de retourner la zone. J'aimerais bien arriver jusqu'au loot de l'araignée là. Et ensuite qu'on se mette bien. Et qu'on continue la zone avec les gros cerveaux. Les cerveaux qui font ultra mal en fait. Je m'en rends compte. Quand, dès que tu les regardes, tu prends cher. Tu deviens fou et tu prends cher. Voilà, c'est concrètement comme ça que j'ai retenu. Je suis sûr qu'il y a des trucs par là-bas, mais je crois que j'y suis allé et j'ai réussi à aller au fond. J'y retournerai peut-être en off, histoire de pas vous embêter. Ok, donc la poteau araignée elle est là. Et le trou avec le loot, il est où? On va regarder rapidement ici. Ah non, je l'ai récupéré le loot, ça y est, c'est officiel. Non, c'est pas possible. Non, il est là. Ok. Elle m'attend. Est-ce que je peux pas la tuer d'ici avec mon flingue en fait? Je suis en train de me poser la question. Ce serait pas plus simple. Pas la lock? Ah, je peux pas la lock, sérieusement. Ok. Tant pis. On va voir ce qu'il y a ici. Du coup, je suis déjà allé, je crois, le chemin austère. Ah non, bah ça doit être là. C'est ça. Métamorphose horaire. Bon, au moins on l'a esquivé. Normalement, je vais vérifier, mais normalement, je pense que c'est bon. C'était le loot qu'on cherchait à avoir. Histoire d'éviter de se faire bouffer par l'araignée. GG pour ton level up, Jijilou. Et on va continuer du coup la zone. Ouais, yes, c'est celui-là. On l'a chopé, l'araignée elle est partie. Ouais, elle est partie. On a plus besoin de la voir. Et on va continuer la zone au cerveau. Quoique j'ai du nécrosant, je peux aller level up en fait. J'en ai beaucoup.
Je vais aller level up. Je suis tombé, évidemment. Il faut remonter. Je pense que je m'arrête là pour ce soir. Je commence un peu à fatiguer moi aussi. Je vous le cache pas. Bon, on va aller jusqu'au point de sauvegarde quand même. Hop, hop. Alors je suis perdu, ça y est. Il y a moyen de créer un archétype mage. Alors tu peux créer un. Alors je suis pas spécialiste, mais a priori tu peux créer un archétype d'un perso qui va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'ésotérisme. Dis-moi si je me tromperai. Mais en gros, la stat ésotérisme qui est en bas à droite du panneau, celle-là, te permet en fait d'avoir des compétences qui pourraient s'apparenter à de la magie. Tu peux monter cette stat-là dans ton perso et donc avoir des sorts en fait. Tu peux lancer des projectiles, tu peux utiliser des tentacules, enfin tu peux. J'ai pas exactement tous les sorts en soi. Mais tu peux faire des trucs. Et concrètement, tu. De ce que j'en ai compris, donc Sylphie, qui est un streamer qui jouait à Bloodborne aussi, qui faisait ce build-là, je crois que le build est dur à tenir au début du jeu. C'est-à-dire que. Concrètement. Vu que tu fais. Enfin, je sais pas, tu montes pas ta force, tu montes pas les combats basiques, on va dire. Le début du jeu est un peu hard, mais ensuite ça a l'air plutôt ok. Enfin, je crois que tu roules sur le jeu en fait, simplement quand t'es. Quand t'as un niveau suffisamment haut et suffisamment de stats, une fois que t'as les bons sorts et tout, tu roules sur le jeu. Tu es plus quoi toi? Distance, cac, magie. Moi je suis plus corps à corps. Autant dans mes dans mon archétype là de perso, c'est de la force, c'est du corps à corps, c'est de la lame, hein. J'ai monté la force qui correspond en fait à la statistique de mon arme, donc je suis plus corps à corps. Et en général dans les jeux, je suis plus corps à corps aussi. Je suis pas très distance, j'aime pas particulièrement ça. J'aime plus bourriner quoi. Dans les grandes lignes, c'est ça, les builds qui utilisent les os utilisent des outils qui envoient différents sorts et les imprégnations d'armes élémentaires. Les outils, c'est ça, je crois que j'en ai pas mal. C'est ce qui grisait chez moi parce que j'ai pas des stats d'ésotérisme qui sont suffisamment élevés pour les équiper. Mais du coup, t'as une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 là, tu vois, j'ai pas du tout les trouver. En gros, a priori, tu les équipes et comme disait Ray, tu peux choisir ta force élémentaire, donc le feu, l'électrique, la foudre ou les autres. Non, je sais pas à quoi correspondent les autres, enfin c'est autre chose quoi, qui permet de choisir l'élément dans lequel tu veux faire des dommages. Et donc a priori, après tu t'adaptes en fonction de la zone et des forces et des faiblesses des monstres qui sont en face de toi et tu leur pougnes la gueule concrètement. Je veux dire en général dans les jeux. Moi ouais, en général, Tyrannus, je suis plus cac, ouais. Je suis clairement plus cac. Sauf éventuellement exception. J'ai pas d'exception en tête là tout de suite, mais je suis plus ouais clairement corps à corps. Alors, j'avais chez moi des petits nécrosants à utiliser. Ok, on va utiliser celui-là aussi. Apparemment, tu as le spell de ébriété. Ah bon? Ah ouais? Camp de bourreau, rugissement de monstre, appel du latin. Ah oui, augure des brietas, vestige. Ok. Caras ou fantasme, c'est vrai. Un qui est partiellement ébrietas, l'abandonné. Découverte initiale marquée le début d'une quête cosmique menée depuis l'ancien labyrinthe, menant à la création du cœur. Ouais, c'est là où honnêtement, j'ai dû le récupérer là-bas. J'ai dû le récupérer là-bas, j'ai pas pu. Par contre, je l'ai pas du tout battu quoi. Je vous le cache pas. On la battra la prochaine fois. Je vais level up un coup, j'ai dit. J'ai ces trois là en fait. Ouais. Bienvenue chez vous. Que désirez-vous? Très bien. Tapez. Je vais monter un peu mon endu par contre. Les poisons, le poison c'est un peu. Ça devient hard quoi.
Ouais. Hop, on monte l'endurance, et voilà. Écoutez, je vais juste réparer mon arme. Réparer les armes. Cool. Et on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est l'heure de manger, je pense que la plupart des gens vont manger ici. Enfin... Moi je commence à fatiguer aussi un petit peu, je vous le cache pas. C'était très cool en tout cas, c'était vraiment vraiment très cool. On a tué un boss encore une fois. Je pense que je continuerai demain après. Dans l'après-midi, on se reverra dans l'après-midi. GG Mel pour la pronostic du coup. GG à toi. Je veux remercier tout le monde, on va remercier les gens pour les raids, écoutez. Merci SQ pour... Ah mais merci SQ pour le raid. Merci Hippogemi pour le renouvellement de sub, merci Psycho pour le raid, merci Nin pour le raid, merci Sata pour le raid, merci Dragon Bleu pour le raid. C'était très cool, on s'est beaucoup de monde, ça aurait mis beaucoup de passages, c'était bref mais chouette. Bah ouais, je suis désolé Ray, t'arrives un petit peu tard. Mais j'ai commencé il y a un petit moment, bon, j'ai pas fait un stream super long cet après-midi là. Je reprendrai demain après-midi, on essaiera de faire Brietas, je pense. Et on essaiera de continuer la zone, cette zone là, le frontière du cauchemar. Pour trouver, je pense, un boss qui s'appelle Amidala. On verra ce que ça donne derrière. Et on continuera la suite. On s'approche de la fin, il faut que je me renseigne sur un truc aussi par rapport au DLC. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, c'était super cool. Merci pour le stream et le temps que c'est tout. Octroyer, répondre aux questions. Mais c'est fait pour, Storento, c'est fait pour, n'hésite pas à en poser d'autres. La reine Amidala. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça le nom. Des bisous à tous. N'hésitez pas si vous avez envie de suivre un peu les annonces. Il y a un petit Twitter, il y a un petit Discord aussi, si jamais il y a besoin. Si vous voulez joindre, si vous voulez discuter, on parle un petit peu des jeux prochains, parce qu'on a fini d'autres jeux. Le planning est pas bon. Je vais publier mon planning d'ici quelques jours, enfin quelques heures, je pense. Je vous tiendrai au courant de toute façon. On risque de se revoir demain après-midi. N'hésitez pas à repasser, n'hésitez pas à rester connecté. Allez, des bisous, bonne soirée à tous. Restez pour le raid, je sais pas qui suit le raid encore, mais restez pour le raid. Voilà. Des bisous, allez, à la prochaine. Salut, bonne soirée. Que j'ai quitté, mais c'est pour ça qu'elle était plus chiante. Merci Malus pour ton raid.